Donc, euh, autant alléger un peu la vidéo oui. Bonjour <laughs> Bonjour et bienvenue Salut Maïva, salut Yochette Yochette, bon, je pense que vous avez déjà entendu hein Elle est dans le coin Elle est dans le coin coin oh ben, Sauf que ça bug, oui C'est pas grave On va faire oui, mais... avec Essayez de faire en sorte que déjà l'audio marche bien C'est le plus important Bref, donc ça lui disais-je. Euh... Et bonjour à toute autre personne qui serait dans le coin. <laughs> ouais, il y a encore un classique qui veut pas dire bonjour. Comment Mais ça je va bah, Je vois, sais pas, moi je m'attendais à revoir euh, ceux de la semaine dernière. Oh, bah, sauf que tu ne verras pas Rock, puisque Rock, il est, je crois qu'il est en live, lui, en ce moment. Ouais, bah, et Max Bon, ça remarque que je suis pas dans sa tête. Non, hein. ce que je veux dire, ça serait un, sera un peu bébête. Donc. Moi, bon, si vous entendez du bruit, c'est normal, je suis en train de s'occuper aussi. Pardon, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, disais-je, euh, eh bien, nous se revenons euh, sur, euh, sur le bricolage informatique, voyez-vous, comme euh, on a fait la semaine dernière. Donc, euh, eh bien, on va continuer euh, le travail qu'on avait amorcé sur, euh, sur, le PC des, sur le PC des poubelles. Voilà. Euh, on avait bien travaillé la dernière fois. La dernière fois, on avait, euh, ben, on avait remis de la ventilation, on avait tout nettoyé. Voilà. Et euh, bon, ça m'avait pris, tel, pris tellement plus de temps que ce que j'avais cru qu'on a, on a, on avait arrêté là. Euh, donc déjà, euh, on va revenir... Sur euh, le problème qui s'était manifesté en toute fin de live euh, la semaine dernière. Voilà. Puisque. Euh, bon, de toute façon, voilà, de toute façon ça, ça arrive hein, quand vous remontez des. Faut, faut s'y attendre. Hein. Quand vous travaillez comme ça sur euh, du matériel. Pff, et pas forcément de l'informatique, hein, même, même sur de, de l'électronique pure. Euh, vous savez, même si vous, fait, même si vous travaillez sur une télé, une platine DVD dv, Blu-ray ou je ne sais quoi d'autre. Hein, ça peut toujours arriver qu'on ait des problèmes imprévus. Voilà. En général, c'est même très souvent en fait. Hein. Euh, je pense qu'il y, euh, y en a, plusieurs ici qui peuvent qui, qui peuvent en témoigner. Voilà. En gros, euh, bah Maeva et même toi, euh, il me semble. Bah, bien que toi, tu bricoles pas l'informatique. C'est c'est pas, pas l'électronique que tu bricoles, mais. Non moi, je bricole le logiciel qui font péter des câbles. Ouais bah ça c'est un autre problème, tu vois. Voilà. Donc euh, je vais mettre la caméra. Oui, j'ai toujours ma ca... j'ai toujours mon téléphone converti en caméra. Hein. Il est là. <laughs> oui, voilà, bah, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Oui, donc là, j'avais braqué sur l'écran euh, que j'ai. Euh, voilà. L'écran que je vais associer avec euh, cet ordinateur, euh, qui est un 19 pouces euh, en 14... 1449 c'est-à-dire une résolution 1610. Bon, ça date, hein, c'est un, un écran qui a une douzaine d'années, je crois. Mais il rend bien des services, alors euh, bon, autant l'utiliser. Voilà, donc là, je vais juste me braquer de ce côté. Coucou, on me voit. <laughs> voilà. Donc, souvenez-vous, l'ordinateur est là. Euh, j'ai juste ouvert le panneau, hein, c'est tout. Hein. Je, voulais, je voulais en fait prendre le temps de vérifier si je pouvais réparer le, le graveur. Mais j'ai même pas eu le temps. Il faut, faut dire que j'étais euh, j'étais même absent de chez moi le week-end. Oui, oui. Oui, oui, le chip player a réussi à s'absenter sa... ce week-end. Donc, je branche l'alimentation. Donc, c'est pour ça que vous voyez le ventilateur tourner. Voilà. Euh, donc, pour revenir à ça, si vous vous souvenez, euh, le problème qu'on a eu, en fait, c'est ça. J'avais juste allumé le PC. Bon, là, j'allume sans, sans écran, sans clavier, sans souris, sans rien. Mais bon, de toute façon, on s'en fout. Il n'y a rien installé. Donc, il restera bloqué sur le BIOS. Euh, c'est pas grave. Donc, le problème qu'on avait, rappelez-vous, c'est que si j'appuie sur le bouton d'éjection du tiroir. Et il se passe rien. Voilà, on entend même le. Le, le tiroir, ça demande qu'il vienne trop. Oui, oui, c'est ça, parce que le seul moyen de l'ouvrir, c'est ça. Voilà. C'est le seul et unique moyen et de l'ouvrir actuellement. Bah non, c'est bon, il est ouvert. Encore, il veut pas. Bah, il est ouvert, là. Quoi. Oui, mais. Euh, euh, ne vous inquiétez pas, il achète à des retards de l'image à, à cause de la connexion qui n'a pas, qu pas envie de suivre aujourd'hui. Voilà. Sinon, regardez, quand il voit qu'il est ouvert, j'appuie, il se referme normalement, vous voyez Mais le truc, c'est que dès que j'appuie, il se rebloque. Et le seul moyen, c'est de tapoter. Et encore, ça. Euh, tapoter. C'est un peu plus fort que tapoter, mais c'est pas. Je le, je le boxe pas non plus le truc. Hein. Faut pas déconner. Hein. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vérifierai plus tard si euh, on peut le réparer. Parce que en fait, je l'avais déjà, déjà dit, mais je le rappelle un peu vite fait. Euh, il est possible que la courroie à l'intérieur qui actionne le moteur euh, soit usée et du coup est plus, de, plus, de, plus détendue que la normale, ce qui fait qu'il a du mal à. Enfin, euh, il a moins de force pour ouvrir le. Oh, alors, on le bidule, de fait. alors par contre, va savoir pourquoi quand je, pourquoi quand je tape ça le débloque. Ça, c'est le grand mystère. Ça, le... le truc, c'est que pour regarder ça, il va falloir que je le, que je le démonte. Donc, euh, on va pas faire ça aujourd'hui, ça prendrait trop de temps. Bon, non, je vais juste le changer. Je vais le changer par un autre. Voilà. J'en ai un autre là. Euh, un autre. En plus, c'est quasi le même. Euh, donc, celui-là, je l'ai déjà vérifié. J'ai déjà vérifié qu'il fonctionnait. Parce que, bon, vous imaginez, euh, je fais le changement et puis on se retrouve avec le même problème. Loul. Donc, je vais fermer le tiroir. Et on va éteindre. Voilà, ça aussi, comme le PC reste bloqué dans le BIOS, j'appuie une, une fois sur le bouton, c'est bon. Voilà. Donc pour l'ouvrir, bon, je vous montre pas trop la caméra, mais bon, de toute façon, je vous ai déjà montré un petit peu comment ça se passait la dernière fois. Donc là, je déconnecte à l'arrière les deux câbles euh, le câble d'alimentation électrique et euh, le câble de communication avec euh, la carte mère. Je lève le blocage ici et je pousse à l'arrière, ça le fait sortir. Ah oui, c'est vrai. Je suis obligé, j'ai oublié. Je suis obligé de déclipser la façade parce que sinon ça passe pas. Voilà, donc je tire. Voilà. Donc pour le changer, ben, rien de plus simple. Hein, vous avez, euh, voilà, vous avez euh, des vis qui dépassent. Euh... En fait, c'est des vis, mais avec un petit, un petit écart pour euh, le bloquer euh, à cette position. Voilà. Donc en fait, je vais enlever les trois qui sont sur celui-là et je vais les mettre euh, sur l'autre. Donc, on va prendre un petit tournevis cruciforme. Et puis, bah c'est parti. Enfin, je vais quand même mettre mon bras de sorte à ce que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Donc, attends que je regarde quand même. C'est deux vis sur la partie gauche. Et à droite, c'est une seule sur, la, sur le premier trou. D'accord. Qui est la troisième personne qui n'a pas dit bonjour que je le Ouais, mange. ça sera un petit peu dommage. Hein. Ça serait un petit peu dommage de. Bon, après, après, bon, on peut comprendre. Surtout, hein. y a une des deux y a une fin de loup, je crois qu'elle va faire, va faire de. On elle peut pas 104 for... heures, je crois. On peut pas forcer tout le monde. À... Voilà, hein, on a toujours des. Certes, on peut pas, on peut pas forcer tout le monde, mais un, un simple bonjour ou bien un simple salut ne coûte. Ça, ça, de, ça ne fait, coûte ça rien fait, ça tout. fait toujours plaisir, mais malheureusement, on a toujours des. C'est c'est comme ça. tu hein, T'auras toujours des spectateurs on silencieux. On a toujours des malpolis. Et ça c'est valable pour tout le monde, hein. donc ça je le mets de côté. Comme je vous l'ai dit, je regarderai, euh, je regarderai si c'est réparable. Voilà. Donc voilà le nouveau graveur. Donc on va, pareil. Donc regardez que je vous montre quand même un petit peu la tronche, euh, la tronche des vis que, que fournit Dell avec le boîtier. Voilà, bon, mise au point n'est pas superbe, mais pourtant j'ai amélioré la qualité de la. Parce que oui, je me suis rendu compte de ça. Je sais pas, si jamais vous voyez, vous avez l'impression que l'image est un peu de meilleure qualité que la dernière fois. Hein. C'est parce que j'ai fait un petit tour dans les paramétrages du logiciel. Euh, parce que, en fait, le truc, c'est que l'application la, qui, qui permet de convertir mon téléphone en caméra IP, eh ben, en fait, il y a certains paramètres, vous ne pouvez y accéder que via votre navigateur. C'est-à-dire que vous devez lancer l'application, euh, lui dire de démarrer le serveur pour qu'il commence à diffuser le, la vidéo sur euh, votre réseau local. Et, euh... Et en fait, il se trouve que c'est seulement sur cette page, c'est seulement à partir du navigateur de votre PC, à partir du moment où vous avez activé la diffusion de la vidéo, que vous avez accès à plus de réglages. Et euh... j'ai notamment accès aux réglages de qualité de la vidéo. Et je me suis rendu compte que la vidéo était à 30%. La qualité était par défaut à 30% quand vous installez l'application. Bah, je vous le dis franchement, je l'ai monté à fond. Je l'ai mis à 100%. Je l'ai mis à 100, je ne suis pas emmerdé. Je me suis dit comme le téléphone il est lié en Wi-Fi et que le, mon, mon, réseau, mon, mon réseau local est bon. Parce que oui j'imagine que réduire la, si vous mettez la qualité trop fort sur un réseau trop faible ça peut faire ramer votre vidéo, faire saccader ou ce genre de choses. Mais en général sur votre réseau local, sur internet c'est pas pareil, mais sur votre réseau local en général il euh, n'y a pas ce genre de problème. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une bonne box, euh... ou au pire un bon routeur, parce que... Bon... Ouais, bref, je vais pas, je vais pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. On n'est pas, pas vraiment là pour parler de réseau. Donc je réinsère le graveur avec les vis dans son emplacement. Voilà. On rebranche les, on rebranche les câbles. On rebranche les petits le câbles. Tu le routeur que je suis en train de faire des cartes en même temps. Côté, quoi Que je suis en train de faire des cartes en même temps. Deux cartes. Bon, ça euh... Oui. On essaie que peut-être moi je peux comprendre. Mais les spectateurs, eux. Hop. Donc je, je remets. En temps, je, je remets la façade du PC en place. Et on va retester vite. F... On va retester... On va tester vite fait. Et puis je pense que ça va être bon. On devrait pas. On va pouvoir passer. Enfin abandonner la partie euh... traficotage, matériel bricolage ce que vous voulez. Enfin, j'ai testé si le tiroir s'ouvrait correctement, j'ai pas testé s'il lisait un DVD comme il faut. Mais tu peux le faire après. Bah oui, bah de toute façon, je vais être obligé, puisque pour installer le système... Euh... Enfin, oui, oui, on pourrait faire une clé USB bootable ou comme, comme ça, mais non, moi, le système installé, j'ai le DVD qui est tout prêt, je vais pas m'en hein. J'appuie sur le bouton. Voilà, il s'ouvre tout seul, comme un grand. Voilà pour la petite histoire, on va même, on va oui, même appuyer. Bon, par contre, je remarque que quand je l'ouvre, j'appuie, quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir, il est un petit peu long à réagir, mais bon, ça, ça dépend des graveurs. Hein. Il y en a des graveurs, c'est instantané, t'appuies. Il y a des graveurs, c'est c'est instantané, vous appuyez sur le bouton, ça s'ouvre instantané. Euh... Mais des fois, il y a certains graveurs, vous appuyez, c'est un petit peu plus long à réagir. Ça, on n'y peut rien, C'est donc... le graveur à amolos. Voilà. L'important c'est que ça fonctionne, hein, j'ai envie de dire. Donc là, j'éteins l'ordinateur. On va remettre le panneau et on va brancher tout ça bah, pour passer bah, à la suite. L'installation. Voilà. L'installation de ce système. Donc, pour pouvoir installer, on va bien sûr faire les branchements sur le faire les branchements nécessaires sur le panneau arrière du PC. Voilà, donc vous avez ici vous avez six ports en USB et à la prise RJ45 pour le réseau, euh, l'HDMI ou le VGA pour votre sortie, euh, votre sortie vidéo. Bon là je vais utiliser le VGA parce que j'ai pas d'écran, enfin euh, j'ai pas d'autre écran HDMI pour ça, donc euh, à la limite c'est pas grave l'HDMI pourra toujours servir pour autre chose. Euh. Voilà et bien sûr les l'entrée micro, la sortie haut-parleurs toi toi et l'entrée quoi? Toi toi, t'as six ports USB et moi, j'ai six ports de ferme. Euh... Oh. Bon, ok. C'est moi et mes blagues pourries, en fait. J'étais en train de me dire quand est-ce que je rigole <laughs> Oh, demain, si tu veux. Ramoulos. Donc non, là, non, bien sûr, la prise ça, électrique ça, ça est, est déjà branchée, hein, puisque on l'a branchée pour les tests. Donc là, on va prendre mon câble. Mon petit câble RJ45 pour le réseau internet, hein, sinon ça marche pas. Voilà. Sinon il faudrait non, que ça je mette. Marche une... pas, ça sinon il faudrait que je mette une carte Wi-Fi, une connerie comme ça, mais j'en ai pas. Enfin si j'ai bien une vieille, clé, une vieille clé USB Wi-Fi qui traîne, mais. <laughs> Elle est pourrie. Elle est tout pourrie. Comme le propriétaire. Eh dis donc. <laughs> tu sais ce qu'il dit le propriétaire <laughs> Il dit quoi et la clé Wi-Fi que je nomme en réserve, c'est le, le genre de clé. Elle ne capte, capte pas la box à 5 mètres. Quoi. Alors, euh, merci. quoi. Euh, ensuite, on va brancher les câbles qui proviennent de l'écran. Mais dit quoi le propriétaire Donc, nous avons... Pas réponse, hein. bah, il n'y en aura pas de réponse. Parce que c'est une question oui. rhétorique. Tu connais la bah, rhétorique non. Donc nous avons le câble VGA pour la liaison écran. On a la prise pour le son, voilà les enceintes. Que l'écran que je vais utiliser possède une barre de son. Vous avez certains écrans où une petite barre de son que vous pouvez accrocher sous l'écran et forcément la prise son faut bien la. Hop. Et le port USB, je vais le brancher ici parce que le port US, la, la, le câble USB vient en fait euh, parce qu'en fait il y a des ports USB sur l'écran. mon écran il est fourni. Voilà. Ensuite il me faut clavier souris. Et ça pour clavier souris, bah, on va prendre nos fidèles clavier -souris, souris sans fil. Hein, euh, voilà. Euh, de chez Logitech. Non c'est pas du tout un placement de produit. Ils m'ont pas m'ont pas payé pour ça si seulement si seulement je pouvais ah, je, je, je pouvais me faire payer. Parce que très franchement, en ce qui concerne leurs claviers, leurs souris et leurs enceintes, Logitech c'est une, une très bonne marque. C'est ra rare d'avoir des problèmes avec euh, cette marque. Donc je branche le récepteur sur le port USB d'en haut. Oui, cherchez pas, c'est ma logique. Hein. Je branche toujours le clavier souris en haut et ça je le branche tout en bas parce que c'est une extension des ports USB euh, euh, de l'unité centrale. Bon. Alors maintenant, oui, euh, les clavés, le clavier souris sans fil, je les allume. Hein, euh, voilà, il y a un petit bouton. C'est toujours mieux quand il quand y a un bouton on/off, c'est mieux. Parce que des fois, vous avez certains claviers souris sans fil qui n'ont pas de bouton on/off. Donc, vous savez, c'est des trucs qui s'allument automatiquement quand vous appuyez sur une touche et qui s'éteignent au bout d'un certain temps. Sauf que ça, c'est bouffe-pile à mort. Ce genre de système, c'est bouffe-pile, mais vous imaginez pas à quel point. Donc, euh, là, l'unité centrale, je vais la descendre et la mettre. Sur le sol parce que j'ai pas besoin de l'avoir, de l'avoir dans les pattes. Je vais juste passer le fil de mon casque au dessus pour pas être emmerdé. Voilà. Comme ça je vais pouvoir poser le clavier devant moi. Oh non je vais pas mettre les pattes de levage. voilà euh, donc euh, bien maintenant nous allons donc passer euh, à la partie euh, logicielle de cette réparation c'est à dire lui réinstaller un système d'exploitation pour que l'ordinateur puisse être à nouveau pleinement fonctionnel parce que là pour l'instant si vous l'allumez c'est juste écran noir et puis vous attendez vous attendez, vous, attendez, vous passez votre vie devant voilà donc pour cela je vais procéder à l'installation euh, du système d'exploitation d'origine c'est-à-dire, euh, souvenez-vous, je vous avais dit que c'était un Windows 7 euh, de base. Oh, je vous montre pas l'étiquette, hein, parce que sinon vous allez voir la clé. Voilà. Bah, tu montres et tu caches la clé. Ouais, très marrant, j'y ai, 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 ai pas pensé. Il aurait fallu mettre un scotch euh, ou un chatterton ou une connerie du genre. Ou... Bah, au pire des cas, au pire des avec tes doigts. De toute façon, je rappelle que si on rentre sur le site. Attendez, que je définisse le bon truc. Euh, hop. Si on va sur le site du constructeur, à savoir Dell, je le rappelle, je vous avais déjà montré ça la dernière fois. Euh... Sauf, que là, bon si... Sauf que là, je vous le fais avec le bon site. Sauf hein, que là, je vous le fais avec le bon site. Parce que la dernière fois, je trouvais que le site avait une présentation bizarre. Normal, ce con m'avait envoyé sur le site de la... De, la répu... de la République du Congo, je crois. Au lieu de m'envoyer sur le site Dell France. Pff. Bref, donc ici, nous allons sur la section support. Support produit. Et normalement, attends, est-ce qu'il l'a encore Parce que vous dire vu que j'ai beaucoup travaillé sur du Dell ces derniers temps. Ah bah non, il l'a encore. Voilà, Dell Optiplex 390. Voilà, je rappelle qu'ici, c'est la page où on voit toutes les informations sur euh, l'ordinateur euh, euh, que, que vous avez acheté chez la marque. Voilà. Et si on va dans la configuration euh, dans la configuration système, vous avez la configuration initiale et c'est mentionné normalement. Mentionné vers la... Je sais plus, il y a un endroit où c'est marqué. Voilà, ici. C'est là. Voilà. Ici, vous avez le... la désignation du système d'exploitation d'origine. Voilà, donc on voit bien qu'il est, de... qu est fait mention de Windows 7. Voilà. Alors, en sachant pour les curieux, euh, la mise à jour Windows 10 sur ce poste est faisable. Voilà, puisque euh, en fait j'ai euh, déjà euh, remis en état un autre PC identique et euh, lui je lui ai fait la mise à niveau euh, Windows 10. Voilà. Mais ici je ne vais pas la faire. Voilà, sur ce PC, sur ce PC là je ne vais, vais pas faire ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, voilà, je veux dire. Ce sont des réseaux qui n'engagent ne, que moi. Hein, mais euh, oui, enfin bah, Windows 10 est, est de mon côté trop source de problèmes. Voilà. On a parlé des mises à jour qui font des crachettes si bah, et ce... ils crampent bleu Ben, notamment ce genre de problème. Hmm. Oh bah, J'ai re rencontré plusieurs, plusieurs codes d'installation de Windows 10 où euh, la mise à jour vers, une, vers la nouvelle version de Windows 10, vous ne pouvez même pas la faire. Vous savez bon les, les nouvelles versions de Windows 10 qui s'amusent à sortir tous les 6 mois, et que ça vous fait des grosses mises à jour de vos PC mais ouais. Ils de mettre la graphique à jour en même temps par Ouais, manière. mais ça, les problèmes de pilote, ça commence à plus trop être présent. Euh, je veux dire, les, constru les constructeurs de, de matériel euh, et euh, Microsoft ont quand même un peu arrangé ce, 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 ce point-là. Bon, bien quand bien Qu'est-ce qu qui se passe Je renversé mes traces. Bien qu'il y ait encore des couilles, hein, euh, on, va, on va le dire quand même, hein, il y a encore des couacs. Voilà, pour être plus poli. On va dire des quacks. Voilà. Mais. Euh... Voilà. Puis, je sais pas, Windows... Enfin, avec Windows 10, j'ai l'impression d'être... Euh... Enfin, quand je teste, quand j'ai l'occasion de tester des installations Windows 10, j'ai de plus en plus l'impression de perdre le contrôle de mon PC. Et ça, ça me plaît pas, quoi. Voilà. Je veux dire. Je veux dire, soyons honnêtes, hein. Soyons honnêtes, Windows 10, vous avez de moins en moins de possibilités dans le système. De liberté. Et ça, c'est, cest veux dire tu peux plus redéfinir. Tu sais, tu sais, dernièrement, ils ont enlevé, l'accès à l'écran de veille. Vous avez les petits écrans de veille qu'on s'amusait, qu'on à laisser se déclencher au bout de tant de temps d'inactivité sur le système. Et bien maintenant, sur une nouvelle version de Windows 10, vous ne l'avez plus. Et plus d'écran de veille, non, 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 non. Alors en trichant, en trichant, on peut accéder à la fonction qui est encore plus ou moins planquée dans le système. Mais euh, je veux dire, euh, à terme, c'est sûr qu'ils vont la supprimer. Je veux dire, au bout, là, là, au bout de quel moment, dans, dans quelques versions, la triche, elle ne marchera plus, quoi. Voilà, quoi. Je veux dire, Windows 10, c'est un système de moins en moins personnalisable. C'est de plus en plus truffé de pubs. Soyez honnêtes, hein. Hein je veux dire, t'installes, attends, tu prends l'installation Windows 10, tu prends, tu, tu, tu prends une installation de, euh, une ISO d'installation de Windows 10 officielle euh, de chez Microsoft. Euh, je veux dire, t'installes un système complètement vierge, tu te retrouves avec des, avec euh, du Game Loft du, il euh, y avait Candy Crush à une époque. Maintenant il l'ont remplacé, remplacé par, un autre jeu. Enfin euh, t'as plein d'applications de, as plein d'applications de merde qui ont rien à foutre là. Donc là, je me retourne vers l'écran, j'espère que la mise au point sera bonne. Voilà. Donc, euh, voilà, le système est. Bon, après, je sais que c'est mon avis quand je vais dire je trouve le système, je trouve, je trouve l'apparence originale de Windows 10 moche. Oui, c'est un avis qui n'engage que moi, ça c'est vrai. Mais laissez le choix Pourquoi pas avoir laissé le choix Je veux dire. Mais parce que. Je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a cette nouvelle apparence du système qui a, qui a, qui a, qui a, qui a apparu. <laughs> apparence apparue, ça fait un peu répétitif. Euh, qui a fait son apparition. Euh, j'ai envie de dire, bon d'accord, vous, vous mettez des nouvelles choses, j'ai rien contre. Mais euh, laissez le choix de... Je veux dire... Attends, est-ce que tu te rends compte que... Je veux dire, à l'époque de Windows XP, de Windows Vista et même de Windows 7... Tu pouvais tu pouvais, tu pouvais tu pouvais tu pouvais foutre tu pouvais l'apparence la, de Windows 95 si tu voulais. Et pourquoi On oh, on rappelle se... Hein Et Et que... d un, d un seul coup tu arrives à Windows 8 puis Windows 10, bah l'interface l'interface de l'interface de Windows 7 de Windows XP ou de Vista, bah tu peux te la mettre aux fesses. Avec Aero. Voilà. C'est ça. l'apparence Aero. Là, vous savez Vous savez pourquoi je vais vous dire vous savez pourquoi toutes les, toutes les, tous les effets de transparence propres à l'interface aéro de Vista et de 7 Vous savez pourquoi ça a été supprimé Ça a été supprimé parce que Microsoft prévoyait de faire de Windows, de Windows 8 puis Windows 10 un système universel que tu pouvais installer aussi bien sur des PC que sur des tablettes qui avaient vachement moins de puissance et qui du coup ne euh, pouvaient pas suivre avec les effets de transparence. Bah. À la limite, je veux bien le comprendre qu'il y, qu y ait des machines très faibles enfin euh, qui a des performances très faibles et qui ne permettent pas de les exécuter mais les supprimez pas contentez-vous de les désactiver par défaut et laissez le choix laissez, laissez le choix à ceux qui ceux qui mettent le système sur un gros PC de pouvoir les remettre merde quoi je sais mais, mais... Pourquoi tu râles je j'appuie mon j'appuie mon propos eh. non, mais... ah mais des fois faut appuyer sur pro propos si tu, si tu commences à, si tu commences à dire des système d'un système qui est moins foutu que tu fais eh. Euh, tu, que tu fais mais mais pourquoi les d avoir désactivés par défaut laisser les gens <laughs> ça ça n'appuie ça appuie pas le, ça appuie pas le propos ben enfin, bref donc pour ces raisons euh, sur ce pc là euh, je vais rester sur Windows 7 alors vous allez me dire quoi il reste sur Windows 7 en 2020 mais il est malade il est complètement malade <laughs> vous, vous êtes en train de vous dire ça eh bien je vais vous montrer que Windows 7 n'est pas si à jeter que ça voilà. Bon, il y aura un moment où on n'aura plus le choix. Voilà, c'est vrai. Mais pour l'instant. Hein Tant qu'il y a le choix, on le fait. Voilà. Pour l'instant, je vais vous montrer que Windows 7 n'est pas si acheté que ça. Quoi quoi, quoi Je te vois, je te vois, va. Je te vois. Donc, je, je vais. Te vois, es qui me juge donc je vais, je vais installer euh, donc ce système. Alors, pour ce faire, je vais utiliser, comme je le disais, un DVD parce que j'ai un DVD tout près. Voilà. Qui est celui-ci Ouais. Oui, oui, ça c'est un... Euh... Hein Ah bah oui, mais les suédois les, 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 les n'ont pas envie de venir aujourd'hui. Pourtant, euh, apparemment, il y a une quatrième personne. Donc, euh, coucou. Voilà. Donc, je vais utiliser le DVD Windows 7 fourni par Dell. Parce que j'en ai un. En, ai... en fait, j'en ai même un deuxième qui traîne dans mes réserves. J'avais pu récupérer ça au travail. À l'époque où, travaillais... où je travaillais, on avait eu une série de PC. On avait une trentaine de PC. Donc, forcément, bah, ils ont mis 30 DVD et ils voulaient tous les jeter. Donc, euh, donc euh, bah, quand ils ont mis à la poubelle, bah, moi, j'ai mon... réussi à mettre mon grappin sur deux DVD. Et voilà. Donc nous sommes sur l'installation euh, Windows 7, euh, s'il veut bien... Il me reste 94% de pour... enfin, Il me reste plus beaucoup de gigas par rapport à... à ouais. J'ai déjà bouffé 94 gigas. Alors bon, c'est un peu flou, mais vous voyez qu'il s'agit d'un DVD Windows 7 Pro et Service Pack 1. Voilà, version 64 bits hein, euh, quand même. Oh on a... 4 avec une, t'en as assez, c'est bon. On a ce qu'il faut. Mais, et ta bêtise mmh, 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 mmh. Et oh, si... Je suis là pour animer un peu, non mais dis donc. C'est parti, on va allumer cet engin. Cet engin de mort. Donc je vais voir si au niveau mais de l'écran... Euh... T'es bah es, es vraiment, vraiment adéquat toi, tu parles de but, après tu parles d'engin. toi. T'es vraiment... <laughs> Mec, non, <mais> oh. <laughs> Qui a l'esprit mal placé ici Voilà. Donc je, bon, vais, comme je vais ouvrir le. Moi, le, le... Je, je vais ouvrir le lecteur et mettre le DVD dedans. Voilà. Plus tard, on va faire des enfants par clé USB. Ouais. Quoi <laughs> Rien. Pas Pourquoi t'as dit ça <laughs> Ça me fait rappeler une blague. C'est pas grave. Oh là là. Bon. Alors maintenant que j'ai mis le DVD dedans, il va falloir que je redémarre. Donc un petit contrôle Alt supprime au clavier. Et je vais accéder au menu de démarrage de... du BIOS via la touche F12. Donc voilà, il y a marqué F12 bout option. Voilà, j'ai appuyé. Il va pas marcher. Mais si ça fonctionne très bien. Ah oui. Comme tu peux le voir. Ben, des, des ordinateurs, des fois tu appuies sur la touche et ça ne fonctionne pas directement. Hein. Alors là ici vous avez le menu de démarrage donc vous l'avez euh, si vous le voyez soit en legacy en legacy boot soit en UEFI on a le choix entre les deux sur ce poste là c'est quoi le legacy le legacy c'est le système euh, c'est le système à l'ancienne avec le les disques durs en MBR en master boot record et depuis Windows 8 est sorti le système de disque, est, est apparu le système de disque dur en GPT GUID partition table qui utilise l'UEFI Ouais, mais j'essaie d'expliquer un petit peu su, de manière assez succincte. Enfin, mmh. Tout ça pour dire que le Legacy Boot, c'est le système à l'ancienne et l'UEFI, c'est le système à la, à la nouvelle. <laughs> bien, bien joué À l'ancienne et à la nouvelle, ouais. Voilà. Et il faut savoir que même si le, si le, le, le Boot UEFI avec euh, les, les disques durs en GPT est apparu sur euh, Windows 8, Windows 7 est tout à fait capable de gérer ce système. Voilà. Le seul truc, c'est qu'avec Windows 7, vous n'avez pas droit au Secure sinon ça marche pas. Voilà. Donc c'est ce que hey, je vais ma faire. Sœur, ma sœur, elle travaille à Monde. Je lui ai demandé qu'elle puisse qu'une PS5. Très drôle. <laughs> J'en veux pas de PS5, je te rappelle. Mais je rigole. Sinon, il faudra m'acheter la console, mais Imagine. faudra m'acheter tous les jeux. J'achète rien moi-même. <laughs> Merde quoi. T im -t toi. Trop cher. Trop cher. On va la laisser faire son travail. Non. Donc je vais démarrer le DVD d'installation de Windows 7 en mode UFI parce que je sais que ça fonctionne. Enfin que c'est censé fonctionner, hein. Je l'ai fait sur un autre ordinateur. Ça marchait. Donc il n'y a, enfin, a pas de raison, mais bon, je me méfie, on sait jamais. Donc je valide ça. Ouais, appuyez sur un bouton pour. Donc j'appuie sur une touche. Appuyez sur un bouton pour lancer un bouton. Bon, ben, ce PC-là, visiblement, le UFI, UFI pour Windows 7, il n'est pas d'accord. Eh ben, tant pis, on installera ça à l'ancienne. Oh les gâches. Voilà, parce qu'il nous dit qu'il de... ne qu trouve pas de périphérique bootable. À moins que ce soit le graveur DVD qui fonctionne pas. On va le savoir tout de suite. Ah, c'est génial les contretemps. Toujours écoutant ton bizarre, tu étais là en train de dire « Oui, oui, le truc marche », et puis tu démarres, boum <laughs> Bah tant pis. En fait, disons que si, vous arrivez, que si on arrive à installer un Windows 7 en UEFI, c'est intéressant parce qu'on a accès du coup au disques dur en GPT qui peuvent gérer des partitions très importantes. Mais t'as pas encore compris que les vidéos de sans bugs, c'est pas une vidéo de suplayers. Bon, en même temps, c'est ouais, pas vraiment une vidéo. T'as pas encore compris. Alors tant pis, je vais, sélectionner, je vais sélectionner la ligne CD DVD dans le Legacy. Dans Legacy, Legachi. Legachi, Legachi. Je n'ai pas réussi la sortie Pourquoi Pourquoi je vais dire encore des conneries Là, comme vous pouvez le voir, ça semble vouloir, ça semble à vouloir partir. On partira où Je crois que Maeva n'a rien compris de où tu voulais en venir parce que. Ou bien peut-être que Maeva, tu m'as pas compris, je vais peut-être mal expliquer. Partira où En fait, elle a pas compris un nous deux parce qu'il n'y a que nous deux qui parlent en fait. Ouais. Mmh. Donc ça se lance. Oh, c'est à... parce que elle aura... oh, qu'elle qu a pas suivi. Ça se lance tranquillou. L'ennui c'est que. Ah non, Australie. L'ennui c'est que ah non, c'est toi qu'elle parle. L'ennui c'est que je sais pas, sais pas, je sais si, je sais pas si on coupe la lumière, on verra mieux l'écran en fait. Essaye. Franchement, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas d'autres personnes qui soient venues parce que. Ah, bah moi non plus, je ne m'endors pas, je suis en train de faire des strass en même temps. C'est un peu con. Franchement, je pensais vraiment revoir Max parce que la semaine dernière, quand j'ai fait le. Enfin, quand j'ai fait la partie restauration. Il ne tient pas la parole parce qu'il était intéressé, mais il ne vient pas. Oui, mais est-ce qu'il est au boulot et qu'il a fini tard Je ne sais pas. Quand on au boulot. Ah, Est-ce qu'il a, repé est qu a repéré que je faisais le live aussi Bah... Ben... qu'il y a ça aussi. Et je regarde sur le disque. Il est pas connecté pour l'envoyer un message. Ouais, bah écoutez, j'ai la lumière, ça change pas grand-chose. Hein. En pas même temps, ce que, ma... que j'aurais aimé faire, mais je n'ai pas pu, pu le tester, oui. De quoi Ah, il y a Top Top, je lui ai on est en live. Merde. J'ai fait tomber quoi Wow. <laughs> Ma bombe à poussière Pour dépoussiérer quoi je ne, non, non, bon. je ne dirai je... rien Je <laughs> ne dirai rien Non non t'as rien dit, dit justement dit Moi je dirai rien non plus comme ça hein hein hum. Je n'ai rien dit Parce qu'en fait ce que, que je Je suis public ce que j'aurais aimé faire, c'est euh, vous faire un... utiliser la sortie HDMI du PC pour euh, brancher ça sur mon boîtier de capture pour les consoles. Là. Mais déjà, le problème, c'est que ça ne fonctionne qu'une fois que Windows est installé. Déjà, premier problème. Et que deuxième problème, en plus, si je, si je branche le boîtier en cours de route, ouais, et ben, je, vais être, je vais être obligé de relancer Discord pour... Euh... Parce que sinon, vous n'aurez pas l'image, quoi. Et tu vas me perdre si tu relances Discord. De perdre euh, OBS, artiste, pas Discord. J'allais dire parce que c'est toi qui as dit Discord en même temps. Bah oui, bon merci, euh, j'avais compris. Si tu dis ça, j'avais compris. Ah, Marc, ah, si Marc, il est sur le Discord. Mm -hmm. Je lui envoyais le un message. Voilà, vous avez vu finalement en mode, en mode BIOS à l'ancienne, ça fonctionne très bien, donc on restera comme ça. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, une fois que vous avez votre Windows 7 installé et à jour, si jamais un jour je branche un disque dur externe qui est formaté en GPT, euh, il reconnaîtra. Hein. C'est pas un problème. Salut tout le monde, dans quelques minutes, on contenu en live. Leur le met en état de PCDL de poubelle. Ouais. Bah, c'est ce que c'est. Et hey, c'est ce que c'est. Hein n'oublions euh, pas que nous sommes sur une machine qui a été mise à la benne. Enfin, en vérité, elle a été mise sur une palette en prévision de l'envoyer à la benne. C'est pour ça qu'on a, qu a pu récupérer ça. Ah bah, mais voilà, elle a laissé un message sur l'audio call. Veux lui dire, je vais lui répondre, veux lui dire, venez, on ne mort pas. Voilà, c'est pour, pour ça que ça me gênait d'éteindre la, euh, la lumière, de la pièce, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a des variations sur l'écran, ben, la, caméra, la caméra, du téléphone, elle a du mal à suivre. Bref. Oui, donc là, après, on est sur une procédure euh, standard. Ah, hein. c'est top top. Il m'a répondu. Désolé, je suis en plein event. Mais lol. Mmh. Euh, attends, déjà, la souris, après, on va la, je vais top, la mettre sur le tapis, dire. parce que là, sur le bureau, ça marche je assez dire, mal. As fait un moment t'es plus venu sur les vidéos, hein. Voilà. No, midi donc là, le truc, c'est qu'on a un écran de sélection de langue. Euh, en fait, pour, normalement, quand vous achetez un DVD officiel Microsoft, vous l'avez pas. Mais euh, là, c'est parce que c'est un DVD multilingue prévu par Dell. Alors... Certes, on, on, on retrouve nos petits, même si le même si le truc est euh... même si c'est un DVD trafiqué par Dell. Alors, vous allez voir quelles sont les autres différences. Hein. Je, vous, je vous expliquerai vite fait c'est quoi qui change par rapport à un DVD Microsoft. Euh... Ouais, pour le ça, je reste en direct. Ouais, avec. Euh... En sachant, que... de mmh. en sachant ouais. qu'à partir du moment où vous avez, euh, vous avez une grave, licence ouais. de la bonne édition, vous pouvez utiliser n'importe quel DVD. Hein. Je veux dire, sur le PC, j'ai une licence Windows 7 professionnelle, j'aurais pu utiliser n'importe quel DVD, Windows 7 professionnel, ça, ça, ça marche. Hein. Les DVD, en fait, il faut bien comprendre que les DVD, ils ont toutes les licences, en fait. Hein, en vrai. j'ai Donc le... ici, bon, évidemment... Euh, je, je propose un truc. Nous allons, on, va, on, va lire, on, on va lire tout le contrat de licence. <laughs> Vas-y, Termes du Adela. contrat de logiciel Microsoft Windows 16 professionnel service pack 1. Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et le fabricant d'ordinateur qui distribue le logiciel avec l'ordinateur ou l'installateur de nos. ça <laughs> va je rigole. Y a combien, de... Y a combien de pages? Euh. Bah écoute, tu vois la barre de défilement à droite? Oui. <laughs> ça, continue, ça continue, tu crois, comme le Titanic, tu vas finir vendredi. n'y hein. voilà. a pas de pub entre deux. Hein. Ouais, tu veux voir la longueur du truc. Hein je... T'inquiète, j'ai déjà défilé sans lire. J'en suis au tiers. Hein. Mais je vois, t'inquiète. <laughs> bon, évidemment, on déconne. Hein. C'était pour rigoler. Euh, tu fais hein. comme le Titanic, avec les pubs comme téléphone, tu vas finir mercredi, c'est pas vrai Ah, Maëva, c'était pour rire, comme si j'allais tout lire. Comme si, non mais franchement, je sais pas, je sais pas. Mais Et... comme ça, mais il faudrait... Faudrait au qui, mais, qui dans, mais qui dans sa vie a au, a au moins a lu ça au moins une fois dans sa vie Il faudrait au moins deux ou trois heures, quoi. Allez, on accepte. Qui lève, qui lève, lève la main dans le chat et qui a lu tous les, toutes les règles de Windows la liste. Comment ça, avec moi, on sait jamais. Tu crois vraiment que j'aurais tout lu Déjà, lu ça l'aurait saoulé, déjà. <laughs> <laughs> je crois qu'au ouais, qu bout d'une au bout de deux, trois pages, non mais c'est bon, ça se... il y a encore quand... une... même pas une demi-page, carrément. Oh, arrête, exagère. Alors là, évidemment qu'on va on va partir sur Tu l'as fait Ah, bah j'espère que tu te souviens ce qui est écrit dedans. Et t'as pris combien de temps pour le faire Pff. Bonne question. Donc oh, là, comme... 5 minutes, en en lisant un mot par ligne. <laughs> J'ai lu, lu que les titres. <laughs> euh, donc là, on part sur un disque dur qui est vierge. Donc, euh, yes. bah, évidemment, on va pas mettre à niveau parce que tu vas mettre à niveau rien. Donc, euh... <laughs> donc on va partir sur l'option avancée. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, ça y est, là, vous avez l'espace le, euh, du disque dur que j'ai mis dedans euh, qui s'affiche. Et c'est là, que vous voyez hein, D'ailleurs, au petit passage... Ah, bon, en fait, on... oh, hein. Quoi Moi, je vois presque pas. Je dis, je vois presque pas les chiffres. Mmh. Ah, bah oui, forcément, vu que tu as duré dur en qualité. Euh... Mmh. Façon, tu sa... si la... De toute façon, t'inquiète, tu vas ça. façon, tu vas savoir ce qui est marqué. La... Il est marqué, il est écrit espace non alloué sur le disque 465,8 gigas. Mmh. Et c'est là, justement, quand vous voyez cet écran, c'est là vous voyez la douille, la douille que vous font les fabricants de disques durs. Oui. Je vais vous rappeler un truc. Le disque dur que j'ai mis à l'intérieur est un disque dur noté 500 gigas. Oui, j'ai 465,8. Il n'y a pas un petit problème. Voilà. Et en fait, je vais vous expliquer. Hein hmm Donc imaginez qu'un disque dur 5... qu'on qu vous vend comme à 500 gigas ne fait que 465 en vrai. Et c'est pareil pour toutes les capacités. Hein. Euh, 1 tera, ça fait 800, ça fait 931, je crois. Euh, 2 tera, c'est 1870, euh, 60, 60, un truc dans le genre. Euh, une clé USB de 4 Go, c'est euh, 3 Go 72 en vrai. Voilà. On reprend pas la même unité de mesure pour comparer, parce que pour une raison toute bête, pour une raison toute simple. Et laisse la place pour le Windows. Non. Ben non, la place sur Windows, c'est moi qui vais la définir. Le truc étant que les fabricants de disques durs considèrent que 1 gigaoctet est égal à 1000 mégaoctets. Non, c'est ce que je te dis, ils n'ont pas pris la bonne unité de mesure. Alors qu'en vrai, un vrai giga, un vrai giga en informatique, voilà, c'est euh, 1024 mégaoctets. Donc ça change tout. C'est-à-dire que mon disque dur que j'ai là fait 500, 000, mais fait 500 000 mégaoctets. Sauf que 500 000 mégaoctets en informatique, ça fait 465,8 gigas. Et jamais, et jamais 500 gigas. C'est d'ailleurs pour ça que sur là, les systèmes d'exploitation, la... sur les systèmes d'exploitation Linux, on, on préfère parler de JB Qui s'écrit G-I-O et pas G-O. Voilà. En gros, c'est Ce, qui... Ce qui fait qu'en fait, dans le monde Linux, on considère qu'un disque dur de 500 GO fait... est égal à 465 GIO. Voilà. Donc le truc fait donc, donc, le truc, faut le prendre en compte en fait. C'est à prendre en compte quand vous. Bon, à force, on le sait. Qu'est-ce hein, euh, que c'est comme ça après hein. Je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a pas. De y toute a, y a, y a, y a façon, <laughs> j'ai envie de dire, si on considère que c'est une arnaque, ben en fait, 100% des marques sont, sont malhonnêtes. Hein, hein. Parce qu'ils notent tous comme ça. Hein. Même, même des marques que je vais vous conseiller comme Western Digital ou Seagate, ils, font, ils le notent de la même façon. Hein. Voilà. Mais bon. Bon, enfin bref. Donc, euh, on va avancer histoire que ça se fasse. Donc, là, ce qu'on me demande à cet écran, c'est donc d'effectuer de, le partitionnement du disque dur, c'est-à-dire réserver des espaces à l'intérieur du disque dur dans lequel on pourra copier des données ou installer Windows dans le, cas, dans le cas présent. Alors en général, ce que je fais, je vais vous expliquer un peu ce que je fais. Parce que les fabricants, en général, vous savez, ils s'emmerdent pas. Ils vous font, ils, en fait, ils prennent un petit espace réservé pour euh, la, la restauration d'usine qui prend en général euh, 20 ou 25 gigas en général. Et puis le reste, ils te le formatent entièrement pour pour pour, pour mettre Windows et puis toutes tes données, c'est-à-dire tes photos, tes documents, tes vidéos, etc. Non, mais oui. Sauf Mais toi, tu fais un espace de stockage exprès. Deux minutes. Oui. C'est bien, c'est bien gentil tout ça. Hein mais le problème étant que quand vous avez un, un, un problème, veut dire votre système démarre plus ou il est complètement buggé ou vous avez à choper un virus, admettons, hein. Un ben, cheval de trois. Oui, un bon Troyen bien grand. Un Trojan. Comme, comme disait, comme disait, comme disait un certain Pégors, un bon Troyen bien gros. Je l'aimais bien quand il disait ça. Hmm. Euh... Oui, Pegor, c'était un mec qui faisait des vidéos sur YouTube où il testait des antivirus. Voilà. C'est pour. Euh, okay, faire... Merci le cheval de trois pour l'enlever. Hein, c'est hein, le pour faire le raccourci. Voilà. Euh, c'est en... chaud patate hein, pour l'enlever le, le cheval de trois. Hein. Mmh. Donc, enfin bref. On en parle plus de ce virus en plus. Il est mort ou quoi, le cheval de 3 En même temps, le cheval de 3, c'est pas un virus, c'est une catégorie. Non, c'est comme le coronavirus. C'est ça. C'est ça. Cheval de Troie, ah, ça, ça, ça désigne une catégorie de virus. Ou plutôt même de malware. Parce qu'on dit plutôt malware Donc en général. Moi, moi, le cheval de Troie, il est parti à la guerre. Il est parti, à, il est parti casser le vote le de soixante, moi. Oh, mais c'est pas la même chose. Ouais. Donc oui, comme je le disais, si euh, votre système démarre plus ou une bêtise comme ça, et que vous effectuez la restauration usine prévue par le constructeur, ben, il efface toute la partition où le système est installé. Donc, si vous aviez. les photos, les vidéos. si vous aviez des photos, des documents, de la musique, vous vous perdez tout. Voilà. C'est un peu très très con. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que quand j'installe je... un système sur un disque dur vierge, eh bien, je vais prendre un volume, donc ce qu'on appelle une partition. Donc, ça va être une partie des 465 Go, que je vais utiliser pour l'installation du système d'exploitation, donc à savoir Windows 7 dans le cas présent et un, autre, un deuxième espace, une deuxième partition euh, qui va être, elle, qui va, elle, être totalement réservée euh, à, placer, le... à placer les données. C'est-à-dire, encore, bah, en le en le encore une fois, documents, vidéos, photos, euh, musique et tout le bordel. Ce qui fait que si un jour, le Windows 7 part en sucette et qu'il ne fonctionne plus, eh bien, si je décide de formater la partition dans laquelle se trouve Windows 7 pour le réinstaller, je ne perdrai que le Windows 7 précédent. Les données qui seront sur un volume différent seront préservées. Bien sûr, ça ne ça vous, ça, ça vous sauve pas d'un éventuel problème matériel. Ainsi, le disque du crame, vous perdez les deux partitions, vu qu'elles sont, qu sont sur le même disque. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, euh, faire une partition système et une partition pour les données, ça vous sauve déjà de tous les problèmes logiciels qui vous forceraient à formater votre partition système. Je ne sais pas si j'ai été super clair, mais euh, j'essaye de faire vraiment ce que je peux. Hein. Enfin, en tout cas, voyez vraiment une partition comme un, morceau du, euh, comme un morceau de votre disque dur réservé à un usage que vous lui attribuez. Voilà. donc si vous prenez bien la peine de faire un morceau système et un morceau données, eh ben le jour où votre système et votre système fonctionne plus vous devez formater sa partie eh ben vous perdez pas les données parce qu'elles sont sur un volume séparé voilà ce qui veut dire que finalement le seul le, 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 seul, le ça, ça, ce qui veut dire que vos données euh, non, que, ne, ne peuvent être perdues que par panne matérielle par panne matériel du disque dur. Donc, ça ne vous, ça vous exempte pas de sauvegarder les données sur des clés USB ou des disques durs externes si vous en avez. Si vous n'en avez pas, achetez-en. Voilà. Alors, donc, pour euh, définir les partitions, je vais donc cliquer sur l'option à droite qui est marquée « Options de lecteur avancé ». Voilà. Comme ça, ça m'affiche les, les options qui me permettent de créer des volumes. Donc, je vais lui, lui dire que je veux un nouveau volume. Donc là, vous voyez, il m'a dit que la taille, ah bah finalement, vous voyez, que, vous voyez que le disque dur, il fait même pas 500 000 mégaoctets. Lol. <rire> voilà. <rire> le disque dur fait en vrai 476 938. Donc double, double douillage. <laughs> On se fait bien douiller comme il faut, quoi. Voilà. Donc, je vais donc définir la taille en mégaoctets. Donc du volume que je veux réserver à l'installation de Windows. Voilà. Donc sur pour l'usage que je vais en faire de ce PC, ce PC cet usage, euh, je veux dire, il ne va pas servir pour du jeu. De toute façon, l'unité centrale, elle ne le supporterait pas. Enfin, du moins, elle ne supporterait pas des, jeux, des, des gros jeux, des gros, des gros AAA. Ce n'est pas la peine. Hein. Rêvez pas. Hein. Je veux dire, si vous, si vous voulez jouer sur ça, ce sera des petits jeux d'objets cachés, des Zuma, des BG Well, vous savez, ce genre de jeu. Ou à la limite de l'émulation de consoles Super Nintendo, Mega Drive, PS1. PS1, ça, ça peut passer. Voilà. Mais PSA, ce sera... PSA N64 ce sera le maximum hein, au niveau de l'émulation. Hein. Vous, émulerez... Vous émulerez pas plus récent. Hein. Ça, ça j'y crois pas une seconde. Mais bref. Donc, euh, ce PC, je vais. Euh, comme il n'aura pas de jeu installé et tout, je pense qu'une partition de 80 Go pour l'installation euh, du système, ça devrait être suffisant. Donc, le truc, c'est que je vais donc vouloir créer une partition de 80 Go, mais attention 80 hein me... Go divisé par 1024, c'est ça Multiplier. Oh, Parce que la taille, comme vous le voyez à l'écran, je dois l'inscrire en mégaoctets. Donc si je veux 80 gigas réels, il faut que je multiplie ces 80 gigas par 1024 pour avoir le nombre que je dois entrer ici. Donc, eh ben, on va prendre notre petite calculatrice. Hein. Oh, il est méchant, il utilise la calculatrice Windows. Il faut d'abord compter deux têtes. Eh ben, bah, essaye, vas-y. Vas-y, tu, 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 as, tu, tu as 10 secondes. <laughs> tu as 10 secondes pour me dire de tête combien ça fait 80 fois 1024. Euh... Sans tricher. Hein. Je, sais pas. je donne ma langue au chat. Ah, tu vois. C'est bien, bien de me reprocher d'utiliser la calculatrice, mais, on me faudrait, mais pour me reprocher d'utiliser la calculatrice, encore faudrait-il savoir le compter de tête 80 par 1024. Donc je fais 80 multiplié par 1024. Bon, vous ne le voyez pas à l'écran, mais bon. Ce qui, ne, ce, qui ne, ce qui me donne la valeur de 81 920 mégaoctets. Pourquoi je. Voilà. Mais avant de rentrer cette valeur. Hein, je vais vous expliquer un peu. Quand je vais créer la partition euh, réservée au système. Enfin, une partition pour installer Windows 7, je vais y arriver. Euh, il va me créer une toute petite partition qui sera réservée au démarrage du système. Et cette partition, je sais d'avance qu'elle va faire 100 mégaoctets. Et le truc, c'est que cette partition, en fait, il va, pour la prendre, il va prendre ces 100 mégaoctets sur la valeur que je vais rentrer là. Donc, si je veux que ma partition Windows fasse bien les 80 gigas, il faut que je l'additionne. Donc, ce qui, nous, ce qui fait que je vais devoir rentrer. 82 000. Euh, euh, ouais, faut que j'efface les anciens chiffres avant, désolé. Je vais donc rentrer 82 020. Non, un seul 0. Et c'est là qu'il va me troller en faisant une partition de taille différente parce que des fois ça lui arrive. Je, on va dire 90% du temps, la partition de bout elle fait 100 mégaoctets. Il y a 10% du temps où des fois elle fait 350 ou 300 ou seulement 50. Tu sais pas pourquoi. Pour te faire chier non mais. Voilà, là comme vous le voyez, il me le dit. Pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers système. Donc je valide. Et paf Voilà. Disque réservé au système, 100 mégaoctets. Partition 2, 80 gigas pile poil. Ah, c'est des trucs à savoir, ça. Ça, c'est le genre de truc, vous l'apprenez par l'expérience. Si, commence... si vous débutez dans ce, ce genre d'activité, vous allez vous faire avoir. Hein. Ça, c est, c est, je, euh, je me suis fait avoir plein de fois. Hein, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais maintenant, j'essaye de, de prendre en compte ce genre de calcul. Voilà. Et là, euh, l'espace non alloué, donc, qui qui, donc l'espace restant qui est de 385,7 gigas, euh, je vais le réserver, je vais je vais le réserver pour la partition euh, qui servira à stocker les données. Donc bah, ici, tu, on ne s'embête pas. Hein. On fait nouveau. Donnez, on... donnez, donnez, donnez-moi. Donne Lol. Donc je fais nouvelle partition euh, en sachant que la taille en mégaoctets qui m'indique là, c'est la taille maximale que je peux rentrer. Donc comme c'est la taille maximale et que je vais veux, je veux utiliser le reste du disque dur, j'applique directement, sans rien changer. C'est vous comme les gens, ils étaient intéressés la semaine dernière et qu'il n'y en a pas un qui s'est pointé. Bande de faux Ah bah que veux-tu, j'espère au moins que l'ardif servira à quelque chose. Voilà. Lol, ils vont regarder la rediffusion, je vais dire, mais de où il y a une traite de focus. <laughs> bah à ce moment-là, tu dis t'es pas intéressé, On aurait pas fait la vidéo. On ne serait pas cassé les couilles à l'affaire. Non mais dis donc. Bon, alors maintenant je vais, oh. je vais sélectionner le volume sur lequel je veux installer le Windows, le volume de 80Go. Pardon. On se met dessus. Et on fait suivant. Donc là, évidemment, euh, là, on est obligé d'attendre. Hein. C'est un petit peu. Encore, ça va. c'est Vous avez vu que c'est quand même pas. Déjà, la copie des fichiers était hyper rapide. En général, ouais, c'est. Va... Ah, oh. Yochette, les gros mots. 2 euros dans la boîte. La... En général, c'est cette, cette... cette étape-là qui est plus longue. Parce que, allez savoir pourquoi. Hein. Faut te calmer, Yochette, ça se dit pas. <laughs> bon, bah, alors. Tu crois que ça te dit quand tu dis que Kelsou c'est un fantôme sur le Discord, peut-être <laughs> Après, il faut pas oublier qu'on est quand même sur une activité qui n'est pas celle, celle habituelle de la chaîne. Alors, bah, à ce moment-là, bah, les gens ils disent qu'ils ne sont, qu sont pas intéressés et puis on aurait arrêté au lieu de nous faire. Euh, non, il faudrait faire, le faire, faire sur. Euh... Euh... faudra avoir une chaîne exprès, quoi. Mais pas forcément, ça varie, on s'en fout, tu vas pas faire ça toute ta vie non plus. Non. Bah alors, ben, ça sert à rien de faire une chaîne si tu euh, si t'en fais pas tout le temps, ça sert à rien. Ouais, bah ben après, faut de, de manière globale, faut que, ça, faut que ça intéresse les gens, sinon. Bah ben oui, mais à ce moment-là, pourquoi ils disent que ça intéresse et qu'ils viennent pas par la suite Pourtant, elles étaient. Pourtant, ils, étaient euh, ils savaient qu'on allait faire le live. Normalement. Bon, bon, C'est pas, co... pas comme si je l'avais dit la semaine dernière. C'est pas comme si j'en avais reparlé euh, dimanche. Bah voilà. Mais voilà, j'ai dit. Parce que moi, j'ai dit. Parce que t'as dit. Enfin, moi, j'ai dit que les gens étaient des faux -cups parce qu'ils étaient intéressés, mais qu'ils venaient pas. Mais toi, hier. Sur le Discord, t'as dit à Calsoul que c'était un fantôme parce qu'il venait pas sur le Discord. Oh, voilà. Non mais dis donc, ça dit pas non plus. Après comment veux-tu que les gens viennent Oui, te... ah. Après, comment veux-tu que les gens après viennent nous parler Voilà. <laughs> <laughs> hein oh là Non mais dis donc c'est quoi ce bordel Les filles toujours en train de râler. Si je devais dire moi, je prévois un mois en avance sur euh, pour euh, les lives. Euh, J'ai déjà pensé à faire des. Lol, je suis occupé déjà, qui a marqué bah à ce moment-là. Bah, je suis désolé, tu savais qu'on était en live, il fallait pas lancer ton live aussi. Tu euh, la si c'était prévu, attends, <laughs> euh, tu peux pas reprocher aux gens. Euh... Attends. C'était prévu que je te dis, dise dis combien il y a de spectateurs. Bah alors, moi aussi j'avais prévu, regarde le nombre de spectateurs. <laughs> C'est pareil C'est la même chose Attends, je vais te dire. Surtout que YouTube vient de me dire que ça coupait. Le rock, il a 4 spectateurs. Bah, comme nous. Il fait du by Delight. Bon alors, est-ce que ça remarche, là bah ben, moi ça a pas coupé, si. Bah ben, je sais pas, YouTube m'a dit que j'avais plus de connexion, après t'as OBS qui se, plaint que... qui se plaint que mon encodage est en surcharge. C'est ce qu'il vient... Ce qui vient de m'écrire. Hein. Mais j'ai pensé à faire un, un planning... Euh... Enfin, à faire un planning, j'ai déjà pensé plein de fois. Même Yochette, tu pourras le dire. Non, hein. ben, en même temps, le dire en public, moi je m'en fous, tu sais, j'ai rien à cacher. Hein que ce soit en public ou pas, hein, tu sais. Après si les gens n'assument pas leur euh, leur réponse et qu'après ben voilà, s'ils n'assument pas qu'ils ont pas qu'ils portent pas leur couille c'est pas de ma faute. Hein. En fait, en fait, YouTube se plaint se plaint du flux audio de mon live. Ouais, si quand les même. Les gens n'aiment euh... pas les gens. Si enfin, les on gens, pas. On a si compris. Les gens tu... n'aiment pas les gens froids, enfin, c'est pareil. Enfin bref. Non, on a compris, mais n'en rajoute pas. Non, mais dis donc, je fais ce que je veux avec mes cheveux. S'il te plaît. Euh, oui, donc je disais, pour revenir quand même sur euh, plus ce qui me concerne que ce qui oui, concerne voilà, euh, toute autre personne. Parce que c'est vrai, on n'est pas, pas, pas là pour afficher les gens, c est, c est, ça se fait pas. Euh, donc, je disais que oui, j'ai pensé à faire des plannings. Euh, mais en fait le truc c'est qu'au moment où je me suis dit je devrais peut-être faire un planning tu vois de... Genre, genre... Les tenir les plannings après. genre un planning que tu mets en début de mois ou une connerie comme ça. hein Mais le problème c'est qu'au moment où j'ai pensé à ça c'est une... une période où on a, eu... on a été occupé plusieurs fois et qu'on a dû annuler plusieurs lives. Donc après je me suis dit ouais, je vais mettre un planning si c'est pour tout annuler à chaque fois... Tu euh... si ne pas le tenir ça sert à rien. Après, j'ai toujours dit, hein, euh, ça j'ai toujours dit. Euh, étant donné que c'est une chaîne, euh, étant donné qu'ici on est sur, on, s on est sur une chaîne plus qu'on euh, qu fait qu'on fait plus un petit peu par passion, envie. Si on a quelque chose de plus important à un moment d'un live, bah désolé, euh, le live, le live, je suis obligé de l'annuler. Mais le truc c'est qu'après quand tu commences à faire un planning, il faudrait pas annuler trop souvent, quoi. C'est ça. Après, le problème c'est que ça arrive aussi à des moments. Il euh, y a des moments, j'ai du mal à choisir quel jeu je vais présenter en live d'une semaine sur l'autre. Alors, prévoir un planning de tout un mois Oh, ça peut se faire ouais, après. Déjà, faut avoir des... Après, il faut déjà avoir des idées parce que des fois, déjà, t'as des... pas d'idées de jeu pour le dimanche mais bah, En fait, le truc c'est que si on se met à faire un planning, faut il faut, 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 faut les anticiper les idées en fait. Oui, mais le problème c'est que des fois, tu les anticipes à la dernière minute. Parce que tu t'as pas d'idée maintenant bah c'est tout le contraire c'est tout le contraire d'anticiper <laughs> justement à la dernière minute, oui, bon. c'est tout le c'est tout, tout le contraire d'anticiper Théophile. ah bah si c'est grâce à moi que tu l'as découvert euh, de rien <laughs> bah je fais quoi moi <laughs> oui voilà ma va, t'anticipe, non, mais c'est vrai. En fait, il faudrait plus se réfléchir à des, euh, des jeux qui peuvent parfois s'étaler fais... sur 2 trois lives, euh, tu Pire des cotes, tu essaies de faire un planning module, là, mais... Bah après, il faudrait, défi faudrait définir, faudrait redéfinir à quelle fréquence je l'ai fait, quoi. C'est ça. Parce que en fait, en période confinement, en période confinement, je passe à, je veux dire, je l'ai fait la fois précédente et je le fais là euh, de repasser un live tous les dimanches. Parce qu'au départ, on a, on a, au départ, on avait dit pas tous les dimanches pas tout le temps. C'est pour ça que j'ai fait qu'un qu dimanche sur deux. Pour pas euh, devoir tout le temps courir le dimanche soir quand je dois rentrer de chez toi. Mm -hmm. Mais euh, je veux dire, j ai, j ai, le, le, le truc, c'est qu'entre les deux confinements, j'ai remarqué que finalement, le, les dimanches où je suis revenu de chez toi, bah, que je faisais le live ou pas le live, bah, je rentrais chez moi, il était euh, maximum 9h15. Puis après, faut dire qu'il y a eu l'instauration du couvre-feu entre 21h et 6h du matin, qui a fait que fatalement tous les tous et tous les dimanches concernés, bah je rentrais je rentrais ju juste avant 21h de chez moi, chez moi. Donc en fait, je veux dire, fina fi finalement, oui. re finalement, rester à un live tous les dimanches, ça serait jouable. Mais bon, après, euh... si des fois le dimanche en sort ou quoi que ce soit, euh, tu ne peux pas faire un live tous les dimanches. Le dimanche, on sort pas. Euh... Tu vois ce que je veux dire C'est arrivé. C'est arrivé, hein, dimanche soir, euh... on s'emmerdait. Mais... Et au lieu, au, lieu au lieu de manger un petit repas chez toi, on s'est dit, oh, tiens, si on va faire un truc. Et c'est pas arrivé tout le temps. Et puis bien sûr, de toute façon, ça, ça resterait suspendu à ça. Hein Dans tous les cas. Hein Dans tous les cas, ça serait si, ça serait si on a un truc. Euh, un truc IRL qui est plus important, il bah, y aura un décalage, c'est tout. Hein. Ça, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé les lives. Depuis que j'ai commencé mes lives, il y a, y, a, y a maintenant pratiquement deux ans, j'ai toujours, toujours dit, par contre, je préviens, s'il se passe quelque chose dans la vraie vie, bah, euh, c'est le plus important, quoi. Parce que, bah parce que pour la raison que la raison qu'on est qu'on est, qu qu est sur une chaîne euh, euh, qu'on est sur une chaîne qui, ra, qui rapporte pas. Je veux dire après ça dépend tu vois, de, 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 parce que le, le, le truc c'est que quand tu es, es sur des chaînes un gros public euh, que ça commence à rapporter il bah, y a des gens qui en font plus ou moins leur métier quoi. Mmh, et nous, pas le cas. Voilà. Ah bref. Continue ton Ah ouais, mais on peut pas faire plus. Ouais. Bah ben là, il est passé à l'étape suivante. Là, ça va accélérer. Ça va accélérer. Bah, euh, ben, en fait, euh, Théophile, euh, on est en train de continuer la restauration d'un PC des poubelles euh, que j'avais amorcé la semaine dernière. Mais je crois le... qu'il était là la semaine dernière en plus. Ouais, mais je crois qu'il était passé un petit, un, petit, un petit peu en coup de vent ou un truc comme ça. Jour, il était passé par la fin, je crois. Ouais, ou à la fin, un truc dans le genre. Donc en fait, on est sur un PC euh, qui a été euh, qui a été euh, mis sur euh, qui a, enfin qui était euh, en prévision de partir à la benne euh, dans une entreprise où ils ont remplacé le où ils ont remplacé on leur, le parc, leur informatique. parc informatique et euh, c'était un PC que comme il voulait plus l'utiliser, il voulait le jeter à la poubelle directement. Euh, moi, j'ai pu le récupérer. Et, mais le truc, c'est qu'il manquait pas mal. Il, il, manquait, il manquait des pièces à l'intérieur. Des pièces qui ont été pompées, qui ont été pompées par euh, le, les anciens propriétaires. Vidéo à voir sur euh, la chaîne pour les installations de, mmh. des équipements manquants, Ouais, c'est ça. Semaine la semaine dernière. La, 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 la semaine dernière, en live, on a fait euh, bah, tout ce qui est euh, nettoyage, nettoyage du, euh, du matériel, enfin euh, tests des, test des pièces et euh, on Installation avait. La euh, des pièces. Voilà. Donc là, en début de live, avant que tu arrives, j'ai juste, juste changé le graveur DVD parce qu'il euh, avait du mal à s'ouvrir. Donc je, je, je l'ai remplacé par un autre. Et euh, là, en fait, on est occupé à euh, lui remettre un système d'exploitation pour le rendre totalement fonctionnel. Voilà. Bon, sachant que je ne montrerai pas tout, hein, je montrerai le plus gros. Je ne vais, vais pas vous montrer chaque petit programme que je mets, sinon ça va être trop long. Là, je vais surtout me concentrer sur vous montrer euh, ce qu'on peut encore faire avec un Windows 7 en 2020. C'est-à-dire rien du tout, non, je rigole. Ah n'importe quoi. Parce que, évidemment, <laughs> je, vois déjà, je vois déjà des gens en train de se, en, en, en train de se dire, mais Microsoft ne fait plus de mise à jour. Euh... <laughs> que vous croyez Vous croyez que Microsoft ne fait plus de mise à jour de Windows 7 depuis le 14 janvier 2020 Date où ils ont officiellement... D'ailleurs, ils t'ont bien fait... Hey, je, me, je me souviens d'un petit patch qu'ils avaient mis en novembre-décembre 2019, où euh, ils te faisaient afficher un gros message en plein écran pour te dire, attention, le 14 janvier 2020, vous n'avez plus de mise à jour, vous êtes foutu. Parce que oui, Microsoft, ils aiment bien dramatiser pour te faire acheter le nouveau système. Tu sais, bah, si ça marche, ça marche. Hein. Non mais limite, 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 si t'écoutais leur message, ils étaient limite en train de te dire, attends, le 14 janvier 2020, attends, ton PC, ton ton... PC ton... va à la poubelle. Allez, non mais, non, non, non mieux, mieux, j'ai mieux que ça. C'est comme si... Euh, ton as, PC voilà, t'as presque l'impression qu'ils te dire « attention, ton PC va exploser. Si tu mets pas très vite, si tu installes pas très vite Windows 10 avant le 14 janvier 2020, ton PC va exploser, il va te péter à la gueule. Et boum, euh, dans ta face, Alors euh... que bon... En fait le truc, de façon, déjà le truc c'est qu'il faut bien comprendre que façon Windows 7 ne faisait plus que de la mise à jour de sécurité depuis déjà, déjà longtemps. Depuis déjà bah, depuis déjà déjà 3 ou c'est ou 5 ans. Enfin je veux dire c'est déjà depuis 3 ou 5 ans que c'était surtout de la mise à jour du patch de sécurité et il n'y avait plus vraiment de d'amélioration des fonctions. Euh, j'irais j'irais 4 ans entre les deux pour chercher. Ouais, ah, mais il faudra regarder les dates précises. <laughs> Bah, de toute façon t'as un circuit de t'as un merde j'y arriver euh... T'as une pa... une page qui où ils te... Il te parle de... des circuits de... enfin, des... des cycles de vie de leur système Voilà c'est ça que je voulais dire euh... Ah carrément C'est-à-dire qu'en fait il y a une page où il est carrément noté les dates de su... les... 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 toutes les dates de support de... des produits Microsoft actuellement euh... actuellement sur le marché Aïe hey, euh... euh... On ne en... pas faire ça avec les androïdes par hasard. Je suis en train d'essayer de. Bon, là, je le laisse redémarrer. Il va tout faire tout seul. Voilà, je crois que je l'ai. J'étais en train de chercher sur internet la page dont j'étais en train de vous parler. Euh, sauf que c'est pas celle que. Ah, si, attends. Je juste regarder si ça fonctionne. ça. Je l'ai. J'ai la page. Je vais vous montrer après. Salut Max. Comment ça va Ah coucou. Tu vois là, là par exemple quand l'écran il devient tout noir avec juste l'animation de l'animation de démarrage de Windows 7 au milieu, euh, bah tout autour la caméra elle s'assombrit complètement Ah. La conduite. C'est primordial, la conduite. Ce serait cool si tu serais intéressé pour faire des vidéos sur le PC, justement. Ben en fait, on commence à se, de on commence à se demander, parce que ça fait un moment, ça fait une heure et demie que le live a démarré. Euh... Oui, mais il... si vous dites que vous êtes intéressé que vous ne venez pas, ça sert à rien. Oui, mais euh, là, Maxi, là, Maxi vient quand même de dire qu'il faisait sa conduite, donc si on lui avait donné, si on lui avait donné oui, une heure ça, de conduite, oui, mais... euh, il n'avait pas le choix. Ça, oui, c'est euh, excuse valable. Faut quand même pas, faut quand même pas tirer sur l'ambulance. S'il a des, des rendez-vous, le pop tu, tu passes le permis, tu lundi. Bon ton courage, bonne T'as ton rendez-vous auprès du, de, l'inspecteur de, l'inspecteur bah, de. De l'inspecteur de, de... de gadget des conduites. <laughs> Ça m'étonne qu'ils en passent encore parce que c'est tout un bordel avec. Bah euh... ben bon, je vais pas m'étendre sur euh, ce qui nous touche. Hein. Je veux dire, la conclusion, on, on, va encore avoir la, on va encore avoir la conclusion que tout ce qui est. que. 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 qu'une bonne partie de ce qui est fait, c'est débile. Alors bon. Deuxième tentative, ah Ah C'est grand ça de l'avoir raté la première. Après, bah. Après, ça dépend, ça dépend si on lui a dit pourquoi. Est-ce qu'on lui a dit pourquoi il avait. Euh, échoué parce Mais que tu hein. ah, échoué, je sais pas, tu échoué parce que t'hésites trop, parce que tu as taxé l'air trop, enfin, je sais pas, moi, des, des conneries comme ça, quoi. Parce que j'imagine bien certains mecs qui vont dire, vous avez échoué, revenez, revenez plus tard, et puis ouais. ils s'en il va sans rien te dire, quoi. Enfin, normalement, t'as as la fiche de... Tu as, rempli... as la fiche remplie par l'inspecteur en cours d'examen. De, En tout cas, j'espère que, que tu savais quel était ton, ton point faible. Ton débat, Et euh, Si tu as, si as pu travailler dessus... Euh... Pour l'améliorer. J'ai un projet d'avoir un logement, mais j'essaye de venir sur l'ève dès que j'ai du temps. Ah, ah parce que tu as fait des erreurs... Tu as fait des erreurs éliminatoires. Bon, en erreur ah, éliminatoire, t'as hein. quoi T'as ben, pas... as, as bah... l'absence de ceinture euh... Le refus de priorité Il me semble qu'un refus de priorité. Il me semble. Il refus de de il me semble bah, oui, ça s'appelle un refus de priorité. Alors, si tu crames un stop, c'est quand même un refus de priorité, même s'il y a personne. Il euh, y a le calage aussi. Bon, si oh, après ça dépend des euh, ça dépend des inspecteurs. Hein. <laughs> 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 <Et rire> je rappelle que je rappelle que ma soeur a calé, a calé deux fois l'examen, elle l'a eu. Hein. Ouais, Et après, elle est rentrée dans le dans la voiture d'une police. Ouais, mais ça, c'est pas quand elle passait le permis, ça, c'est quand elle conduisait imagines, imagines, heureusement, t'imagines, heureusement. le boum de la voiture des flics. Bah, ouais, on dit ça, mais ça a dû arriver, hein. Ouais, sûrement, il y hein. a dû avoir des élèves en examen qui ont terminé en accident, Voilà. Ouais, mais mais ça, ça elle elle est... dépend, bah, Après, ça, après, après ça dépend, il ça, ça, y a peut-être eu des changements, parce que bon, moi, mon permis, il remonte à, euh, il remonte à 11 ans. Alors, depuis, il y a eu des règles qui ont changé, quoi. Il y a des règles qui ont changé en 11 ans. Donc euh, quand je dis ma sœur, oui, elle a calé oui. deux fois, elle a eu le permis, elle a eu le permis, elle, a... elle a eu le permis, il y a eu une bonne vingtaine d'années. Incroyable. Ouais, ou en 2000, 2001, un truc comme ça. Salut Kyle. Moi j'ai eu... eu en 2000, euh, 2010, je crois, moi le mien. Ah oui, moi 2009 puisque j'ai dit 11 ans. Donc... feu rouge raté, faute de timing, okay. apparemment l'inspecteur. J'ai représenté un danger sur un rond-point, alors qu'il m'a dit lui-même d'y ah. aller. Ouais, mais bon. Ah, 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 moi, on m'a dit. Euh, moi, fais gaffe. m'a dit, vous n'êtes pas les seuls sur la route. Eh, fais gaffe, eh, il t'a dit d'y aller, mais fais gaffe, il y en a qui aiment bien faire ce genre de piège. Pour voir si tu fais attention, justement, à la route. Ouais, il y en a des mecs qui, qui, qui te disent, vas-y, mais justement, pour voir si tu vas te dire, non, mais attends, il y a un problème, je peux pas y aller. C'est comme moi. Comme moi, la dernière fois, j'étais en conduite. Et puis, il euh, y a un ballon qui a suivi sur la route. L'inspecteur m'a dit, bah, pourquoi tu freiné bah, ben, j'ai dit parce que. Bah, c'est pas pareil. Il t'a, posé une question. Il t'a pas dit non. Vas-y, avance. Moi, il m'a dit. Ben, moi, je lui dis. Bah automatiquement, t'as le ballon, t'as le gosse derrière. Non mais moi, que... je te, moi, je te parle d'un inspe ouais. inspecteur qui, qui un inspecteur qui te dit, qui te dit, engage-toi dans le truc. Alors que c'est que c'est justement pour voir si tu fais gaffe que tu pouvais pas sur le moment. Oui, c'est sûr. Eh, moi, ce qui c'est moi qui, moi, ouais. ce qui moi, ce qui s'est ce passé, c'est à un moment, j'étais, j'étais en train de faire le truc, il m'a, sorti tourner à gauche. Alors que c'était. À gauche, c'était un sens interdit. <laughs> C'était pour... sûrement pour voir si j'allais regarder si elle et pas tourner comme un con. Bah oui. Mais non, mais aussi non, euh, on m'explique aussi mon auto mon école et mon conducteur euh, que t'es en, euh, en pleine en pleine leçon de conduite avec lauto école et qui t'envoie Belgique chercher des cigarettes. Ah bah ouais mais ça c'est autre chose. Là on parle là on parlait d'inspecteurs qui, qui sont en train de te dire va faire un truc alors qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Alors attends, Kaysoul nous dit euh, que sa mère vient lui demander de lui installer un antivirus par TeamViewer. Oh, ça existe. Comment ça ça existe Bah TeamViewer c'est le logiciel. Euh, ah oui, bien le logiciel de distance. Bien que moi j'ai changé de crémerie mais. Euh... Oui, oui, parce que. Vous savez, TeamViewer c'est un logiciel qui vous permet de prendre, un, euh, de prendre le contrôle, contrôle à distance d'un autre PC. Voilà. Si le PC que vous voulez contrôler a, 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 le, a, le, a le logiciel TeamViewer, vous pouvez l'installer sur votre PC chez vous. Euh, et vous pouvez le contrôler. Le truc, c'est que ce logiciel, des... vous pouvez l'utiliser gratuitement si vous l'utilisez pour vous. Il ouais, oh y a d'utilisation, je, crois je crois. Ah non, mais attends. Donc, si vous l'utilisez pour vous, pour aider votre famille ou un truc comme ça, quoi, c'est gratuit. Par contre, si tu es une entreprise, si, si tu es une boîte, si tu es une entreprise, tu dois le payer. Le truc, c'est qu'il euh, y a quelque temps, il y a peut-être six mois de ça. Euh, TeamViewer a soudainement décidé que j a soudainement décidé que j'étais une entreprise et que je devais payer. Voilà, c'est à dire ils m'ont pas fait un truc. Euh, attendez, on a l'impression que vous que vous avez que vous l'utilisez sur beaucoup de postes ou de conneries comme ça. Non non, ils t'ont fait direct. Ils t'ont fait direct. Vous êtes une entreprise, payez. Eh ben moi je vous moi ai, moi j'ai fait allez vous faire foutre. Dégage. Et je suis passé Dégage. sur un autre logiciel. Non parce qu'en fait le truc c'est que on pouvait demander à être débloqué. Voilà, parce que à partir du moment où il détecte que vous êtes une entreprise et que vous devez payer, il vous bloque. Voilà. Et euh... Donc, vous avez une possibilité de demander à examiner votre cas pour être débloqué. Déjà, vous devez. Vous êtes, vous êtes obligé de ré rédiger votre, votre demande en anglais. Déjà, premier problème. Alors, oui, je précise au passage, TeamViewer est une boîte allemande. Hein. Donc autrement dit, mais euh, attendez, c'est des Allemands. Même si tu rédiges en allemand, ça marche pas. Hein. Non, non, faut faire en anglais. Alors oui, on va me dire, ah oh, l'anglais, c'est la langue universelle, machin. Et alors, les autres langues, elles existent, et ils merde. Et eux, ils ont pas de traducteur là-bas. Bah ben, surtout, surtout que le logiciel, l en, il dit, il dit en plein de langues. Je veux dire, en français, en allemand, en italien, en espagnol, enfin, t'as à peu près tout ce qui est tout ce qui est possible. Je pense que même en chinois et en japonais, ça doit être disponible. Hein et euh, les mecs déjà tu dois rédiger en anglais Et même si tu... Donc tu rédiges ton truc Tu es obligé d'expliquer pourquoi tu utilises TeamViewer Et pourquoi tu... Et pourquoi tu devrais être replace, repassé en utilisateur gratuit Mais attends Les mecs ils se réservent le, ils, ils se réservent un délai de 7 jours pour te répondre Une semaine entière avant de te répondre Bon c'est peut-être un délai maximal Peut-être que parfois ils te répondent plus vite Mais merde quoi un délai maximum de 7 jours, mais vous faites quoi hein Et attends, il se réserve le droit finalement de ne pas, de pas accepter ta demande. Il se réserve le, le droit de dire, oh ah ben non, 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 vous êtes quand même une entreprise, payez quand même. Et, je me suis renseigné sur des forums, il y a des gens qui ont réussi à obtenir le déblocage pour se faire rebloquer le lendemain. Oh, lol. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, je me suis dit, bah, allez vous faire, j'installe un autre logiciel qui fait pareil. Et j'ai fait, j'ai installé un autre logiciel qui fait le même truc. Et depuis, j'ai pas de problème. C'est lesquels ah, déjà C'est de la pub. De TeamViewer, je suis passé à AnyDesk. D'ailleurs, pour la petite histoire, AnyDesk est dans, dans l'équipe de développement d'AnyDesk tu t'as des anciennes chez TeamViewer comme par hasard. On se demande pourquoi. Ah, bref. Alors, donc après, bah, une fois que la mère de Kaisoul lui donne euh, l'accès euh, via TeamViewer à son PC, il peut installer un antivirus à distance. Bah bon, oui, on l'a déjà fait nous. Euh, je t'ai pas installé un antivirus, mais je t'ai déjà fait d'autres choses. Oui, voilà de bah, toute façon, toute façon, le logiciel sert juste à avoir le PC de la personne sur ton écran chez toi. Donc après, tu peux, non, tu peux tu peux. J allais, j allais, non, j'allais dire, dire, une connerie, mais non. Ça... Mmh. Tu peux. Après, tu peux faire tout ce que tu ferais sur la machine directement, quoi. Voilà. Ensuite, ton beau-père a demandé un crack de mise à jour. Qu'est-ce que t'appelles un crack de mise à jour Windows 7 mmh. Ok, Maeva. T'as été chercher la petite de la monitrice un vendredi, preuve que le code. Truc... Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Parce que si jamais tu parles. La monitrice ou la monitrice Quoi Bah, il dit, il est parti chercher la fille. Ah, je sais pas, Allez, il, a pas il a pas précisé. Euh, donc, oui, Kaisoul, si jamais euh, si jamais le, le ce que, que t'appelles le crack de mise à jour, c'est. Euh, Passer outre. Euh, la. Ah, bah oui, justement, on, on, va, on va y venir. On va y venir. Et je suis tellement en train de me dire, ça tombe, je ça tombe, je vais présenter ça, je vais me faire strike le truc. Loul, ça serait trop drôle. Bref, donc là, on est sur l'écran de préconfiguration que vous devez voir depuis 5 minutes et vous devez dire, mais putain, il va faire quelque chose, merde. Mais eh. vas-y, bouge toi le cul, non, mais dis donc. Voilà. Euh... donc je vais entrer euh, le nom d'utilisateur. Oui, je vais, je vais mettre mon beau prénom. Ah, oh, je rigole. Am Amdoulila, Amdoulila Faroche. Hamoud. Non, arrête. <laughs> arrête, si... Hey, si, on fait, si on fait ça, si on, fait ça, on va se prendre on, on va se prendre de la discrimination dans la tronche. <laughs> non, mais fais gaffe, on sait jamais hein. Avec YouTube, des fois je me méfie. Hein. Donc non, 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 <laughs> nous, nous acceptons tout le monde. Voilà, il a pas de problème. Ouais, ouais. Non, Mar arrête, Mar arrête. Allez, sérieux, arrête <laughs> Non, mais là, je suis sérieux Non, mais je suis sérieux on risque, on risque vraiment de se <laughs> on risque, on, euh, <laughs> eh, si, si on fait ça, on risque, on risque le strike pour discrimination, c'est réel Je sais, je sais. Donc là, je suis en train de donner euh, le nom euh, du PC. Donc le nom du PC, c'est ce que vous, ve ce que vous verrez... C'est ce que vous verrez si je mets euh, si vous, ça va si le PC apparaît dans le réseau d'un autre PC branché au même, au même réseau euh, c'est le nom qui Et va s'afficher Donne un don de légumes ou de de fruits toi t'aimes bien ça Donc je l'appelle comme ça euh... Je l'appelle fraise tagoda. Ah très drôle J'ai pensé à un moment <laughs> mettre des noms euh, <laughs> mettre des noms un petit peu plus originaux que juste un nom en rapport euh, avec la référence du du PC mais je m'y retrouvais pas alors... Euh il y a quelqu'un qui l'a fait quelqu'un que je regardais sur YouTube ses PC il s'appelait fraise cassis banane ta Mais mais faut s'y retrouver après ou bien ou bien il faudrait ou bien il faudrait imprimer une liste tu vois en disant disant le PC telle marque tel modèle qui se trouve dans telle pièce s'appelle s'appelle tartampion ou autre chose quoi tartampion une déficience leculuc de les jumpers par contre ici ce que je vais faire c'est le mot de passe Alors, vous voyez qu il nous demande ensuite de créer un mot de passe pour le premier utilisateur qu'on crée là je vais juste pas en mettre ça m'évitera de le rentrer à chaque fois je le rajouterai plus tard quand je, quand je ferai une configuration, la configuration finale donc là je fais suivant directement sans mettre de mot de passe comme je l'ai dit là on dit paramètres recommandés pour les mises à jour là ici vous avez le choix du, euh, de votre fuseau horaire voilà, on vérifie en général que on vérifie en général on que habite, est bonne. On, a, Tout on, a, bien. On, habite, on habite en Algérie du sud. Voilà, donc on fait la finalisation des paramètres. Je vais prendre ma. Non mais Max, tu vas voir, je vais, je vais te montrer quelque chose. Voilà, là vous avez la, euh, le, le, le système qui se lance définitivement. Nous, nous, on est des gros tricheurs, oui. Ouais. Mais je te dis, YouTube risque peut-être de pas aimer parce que ce que je vais montrer, c'est pas une solution. Enfin, c'est légal, mais c'est légal au niveau de la. Le... Mais, mais par contre, du point de vue de Microsoft. Euh... Enfin, tu vois, c'est une, une zone de flou. C'est un peu comme l'émulation, tu vois. La l'émulation qui est interdite et autorisée en même temps. C'est pas clair. C'est. Tu sais, c'est genre c'est légal d'avoir un émulateur de console sur ton PC, mais c'est illégal d'avoir les, les copies des jeux. Mais le truc, ben c'est bon, que. Bon, bon, mais le truc, c'est qu'en France. Mais le truc, c'est qu'en France, t'as le, de le droit de faire des copies de tes propres jeux que tu as chez toi. Donc en fait, c'est le téléchargement de ROM d'anciens de, 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 jeux qui, qui est interdit. C'est-à-dire, théoriquement, si t'as la cartouche jeu -je chez toi, tu peux en faire une ROM, mais faut avoir le matos. Hein. Alors là, excuse-moi, je recule parce que je, je, je sors le DVD de l'ordi. Parce qu'il va plus servir. à hein. la poubelle. Coucou. Mmh. Très drôle, ça doit me servir à installer, installer, installer d'autres oh PC. Là. En gros, ce DVD me sert dès que j'ai un, dès, dès un PC Dell à dépanner avec un Windows 7 d'origine. Hop. T'es sûr ou bien, ou bien c'était pas ou bien c'était... Euh, sûr, euh, Kaisoul, ou ou bien c'était pas une question de t'as le droit de l'émulateur, mais t'as pas le droit du BIOS Enfin euh, une connerie comme ça, parce qu'il y a certains émulateurs, vous devez en, en fait vous devez rentrer, vous devez lui rajouter le BIOS de la console vous-même. Voilà. Donc là maintenant on est arrivé. Bon, déjà comme vous pouvez le voir, Dell a changé l'arrière-plan par défaut, mais bon. Vous faites ça, vous faites personnaliser. Voilà, vous voyez, il y a un thème Dell qui s'est rajouté. Vous prenez le thème Windows 7 d'origine et voilà, ça vous remet le... ça vous remet, ça vous remet tout comme il faut. Voilà. Et l'autre modification qui, donc là, je ferme la barre de langue parce qu'on s'en fout. Euh, l'autre modification qui sont faites, c'est quand vous ouvrez la, euh, c'est quelle, quand vous ouvrez ça, vous avez le logo Dell ici qui est déjà rajouté de base. Voilà. En fait, quand vous utilisez un DVD Microsoft, vous n'avez pas les logos logo constructeurs qui sont là, c'est à vous de les rajouter. Voilà. Donc là, on a tout, on voit Intel Pentium, G630 à 266, 210 GHz, les 4 Go de RAM. Voilà, donc là on a un PC qui, euh, qui, est 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 déjà, qui est déjà en état de marche. Voilà, donc là je vais juste changer la résolution d'écran de... pour mettre la résolution maximale supportée par l'écran que j'utilise. Ce sera déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc maintenant, euh, on va procéder euh, à une première chose. Que, comme vous le voyez, là ici, on me dit que je n'ai pas d'accès au réseau. C'est parce qu'il n'y a pas de pilote. Il manque le pilote du. Euh... Voilà. En fait, là, j'ai la chance. Le pilote, le pilote de son marche. Sauf qu'en fait, on entend. Attends. Ben ça C'est moi qui pilote. On n'entend rien parce que j'ai pas allumé l'enceinte. Voilà, j'allume l'enceinte qui est euh, collée à l'écran. Pourquoi je dis encore des conneries comme d'habitude On a de la chance, le son fonctionne. Comme les adaptateurs PS1, il est obligatoire le BIOS pour jouer. Aïe. Donc, il va falloir que je fasse l'installation du euh, du pilote euh, réseau euh, parce que vous voyez là, il me dit qu'il y a pas internet. Si je fais modifier les paramètres de la carte. Là vous voyez que la liste est vide. Voilà parce qu'il n'y a aucune carte réseau détectée actuellement par le système. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin du pilote euh, du pilote réseau au moins ça au moins le pilote réseau pour que le, le PC puisse accéder à internet et faire les mises à jour. Donc pour cela, je vous montre. Hein. C'est pour ça. Ah oui, ça c'est la page de c'est la page des supports de Microsoft dont je vous parlais tout à l'heure Regardez si je fais Windows 7. Microsoft, Microsoft ou euh, Dell. Ben non, plus oh regardez. Le support de produit a pris fin, date de début de support, 22 octobre 2009, c'est la, la date de la sortie officielle de Windows 7. Euh, voilà, le support standard a pris fin le 13 janvier 2015. Donc en fait, c'est depuis ce temps-là qu'on n'a plus que des patches de sécurité sur Windows 7. C'est-à-dire qu'entre 2009 et 2015, ils pouvaient parfois ajouter des fonctions ou en améliorer. Mais depuis le 13 janvier 2015, ce n'était plus que de la correction de sécurité c'est-à-dire euh, boucher des failles qui permettaient à, à des pirates de, de faire n'importe quoi avec votre système dès qu'ils vous étaient connectés à Internet. Et ici, on a la date de, ce, de fin du support étendu, qui est du 14 janvier 2020, qui est la date à laquelle, à laquelle Microsoft a déclaré on fait plus de mise à jour. Voilà. Et là, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a On a ce qu'ils appellent les Extended Security Updates, c'est-à-dire les ESU. C'est-à-dire qu'on voit, voit première année, année 2, année 3. Donc on voit que finalement, Microsoft prévoit bien des mises à jour jusqu'au 10 janvier 2023. Sauf que ces mises à jour, vous êtes censé les payer. Mais attendez, je vais vous expliquer un truc. Le truc, c'est que si vous êtes une entreprise, vous avez le droit de le payer. Euh, en sachant que c'est euh, assez cher et c'est par PC. Hein. Donc si votre, si votre entreprise, vous avez genre 10 PC qui tournent encore sous Windows 7, ben, la troisième année, je crois que c'est 150 euros par PC, je crois. 250 dollars mais aux oreilles donc je vous laisse imaginer voilà cher, mais le truc c'est que si on est à ici, part... si on est des particuliers comme nous eh ben on n'a même pas le droit Microsoft ne nous laisse même pas la possibilité de le payer tu vois le bordel si t'es un particulier Microsoft te dit non 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 même en payant tu t'as rien bah c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est tout ce que je vous dis. Donc voilà. Donc là, je vous remonte la page de la page Dell du produit en question. Donc si on fait pilote et téléchargement ici, alors on attend. On met le bon système d'exploitation qu'on veut. On veut Windows 7 64 bits. Et là, vous avez l'ensemble des euh, pilotes pour. Euh, voilà, il faut faire tous les téléchargements. Hein. Bon, évidemment, il ne faut pas tout ça. Hein, des fois, de euh... toute façon, regardez. Il y a une option ici. Regardez, Afficher uniquement les téléchargements pour ce PC. Avec le numéro de série écrit ici. Voilà, donc là, ça réduit déjà les choses. Et regardez. Ici, pilote réseau. Pilote de connexion réseau Realtek RTL 80, 80, oui, enfin, 80XX PCI Express. Ça, ici, c'est le pilote pour euh, que le Windows 7 puisse utiliser la carte RJ45 du PC. Alors, évidemment, on ne va pas faire le téléchargement. Le téléchargement, je l'ai déjà fait, puisque comme je vous disais dit, j'ai déjà fait un autre PC euh, identique. Donc, le, le fichier, je l'ai déjà sur ma clé USB. Donc... Hop. Nous, Donc, la clé USB sur laquelle se trouve le je vais le brancher. Comme je vous, je vous ai dit hein, qu'il y avait des ports USB sur, euh, sur l'écran. Il y a six ports. Ouais, mais moi, là, je la branche sur un port USB de l'écran. Voilà, installation du pilote de périphérique. Votre périphérique est prêt à être utilisé. Donc voilà. Là, hop. Le pilote est là. Voilà. Vous voyez, pilote, enfin pilote, réseau, Windows 7. Mais le truc, c'est que si je le démarre. Voilà. Il se passe ça. Voilà. Alors, le message d'erreur me dit le point d'entrée de la procédure add directory est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques kernel32.dll. Alors, cherchez pas à traduire ce message d'erreur on y passerait des heures. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, il manque des dépendances euh, au système pour euh, installer ce pilote. Eh bah, bien, c'est pas grave on va mettre le système à jour et vous allez me dire. Comment tu mets le système à jour en n'ayant pas Internet sur ce PC, puisque qui dit pas de carte réseau dit pas Internet Eh ben, Bravo. j'ai prévu le coup. En fait, j'ai ce dossier là euh, que j'ai appelé Windows 7 pseudo SP2, c'est mon, mon dossier à moi. En fait, le truc c'est que il y a quelque temps, euh, Microsoft a publié, une, euh, a publié un pack de mise à jour pour Windows 7 qui, en, qui fonctionne en fait comme un service pack 2, mais qui, de lequel ils l'ont jamais appelé officiellement comme ça. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Donc en fait, ça se, ça se, ça se, ça se constitue de deux packs euh, de mise à jour. Donc vous avez ici le KB302-0369 pour 64 bits. Donc je vais le lancer. Donc là, en fait, je vais lancer. Euh, je, enfin, je, je lance un pack de mise à jour hors ligne. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer par Windows Update pour euh, faire l'installation. Voilà. Voulez-vous installer la mise à jour de logiciel Windows suivante On accepte. Donc là, en fait, je suis en train d'utiliser Windows Update en local. Alors là, ça, vraiment, ça dépend vraiment des PC. Il y a certains PC, vous n'êtes pas obligé de passer par ça. Ça arrive même qu'il y a certains PC, vous installez le Windows 7, votre réseau, il marche directement. Ça dépend du fabricant de votre carte mère ou de votre carte, votre carte réseau. Donc oui, sinon, pour en revenir euh, à ce problème de. Voilà, c'est que. C'est que bah... C est, c est censé, c en fait, c'est censé pas être autorisé. C'est censé, être, censé, être, censé être, ne pas être autorisé par Microsoft. Mais le truc, c'est que Microsoft ne t'offre même pas la possibilité de le faire légalement. Enfin, de le faire en, en suivant leur euh, contrat de licence. Donc euh, ça me fait, fait marrer, quoi. Vous savez, c'est comme, euh, les, euh, les, comme parfois on râle. Ah, les gens qui téléchargent illégalement des films et des musiques. Bah, des fois, les plateformes de téléchargement légales, vous savez, les téléchargements où vous devez payer, quoi. Euh, bah, des fois, vous avez des trucs qui ne sont même pas dedans. Je veux dire, parfois, il manque des choses. Je veux dire, il arrive parfois que si tu veux une musique ou un film particulier, bah, la solution illégale soit la seule possible. Et là, dans le cas précis, c'est le cas. Là, ce que, je vous ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on est obligé de passer par cette technique. Je veux dire, pour un particulier, il n'y a aucun moyen de suivre la procédure Microsoft. On est obligé de tricher. Donc là j'espère que l'installation Va euh, pas être, trop, pas être pas trop lente Parce que ça a tendance à traîner J'avais cru J'avais comprendre J'avais enfin, cru comprendre Pas être trop rapide ouais. Alors du coup Je vais vous faire autre chose en attendant Donc vous vous souvenez tout à l'heure Je vous ai expliqué que j'avais fait deux partitions pour install... Une pour installer Windows Et euh... Une pour les données euh, non théophile, je ne sais pas comment on fait. Et après tout, je ne me, me suis pas intéressé là-dessus. Que... Ma, ma, se ma seule et unique console qui est hackée, c'est ma Wii. Voilà. Donc ici, ouais, vous bah, bravo. ici vous avez le disque C euh, qui contient le Windows qu'on vient d'installer. Voilà. Donc d'ailleurs, pour que ce soit bien clair, je vais le renommer. J'appuie sur la touche F2, ça fait renommer. Donc je vais l'appeler Windows 7 pour que ce soit bien clair. Là il râle comme quoi vous devez disposer des droits d'administrateur, mais je suis administrateur, je suis seul utilisateur. Donc je continue et ça marche. Bah euh, quoi bah Attends, pourquoi tu me, de, tu me parles de savoir installer des jeux PS1 sur PS4, si finalement c'est pas possible Non mais... C'est Théophile qui, qui, qui a demandé. Ah oui, c'est Max. J'avais pas vu Maxi que c'était le même lui qui répond. répond hein. Pardon, pardon, pardon. Il faut ouvrir, il faut ouvrir tes yeux. Donc, le disque local D que nous avons là correspond à la partition, pour, à la partition dédiée aux données que j'ai créée tout à l'heure. Sauf que là, comme vous voyez, il n'y a pas de barre qui me dit euh, il vous reste autant d'espace, euh, machin. Parce que si je clique dessus, il me dit que je dois formater. Parce que oui, la partition de données, étant donné qu'elle n'a pas servi à installer le Windows, bah, elle n'a pas été formatée par le programme d'installation. Bah, c'est pas grave, on va le faire. Formater le disque. Voilà, 385 Go on le laisse en NTFS. Euh, unité d'allocation, il propose 4096 octets par défaut, en général je laisse ça. Et je vais juste donner un petit nom à notre partition. Je vais l'appeler Comme ça, c'est clair. Données, de données. Euh, on laisse le formatage rapide, je veux dire c'est pas un problème. Euh, Rappelez-vous que c'est un disque dur qui était vierge à la base. Donc on démarre le formatage. Là il nous avertit que toutes les données vont être perdues si on format, mais bon de toute façon on est déjà vide, donc on s'en fout. Mais ça c'est évidemment c'est pour faire un avertissement pour pas que quelqu'un efface son truc par accident. Quoi. Donc je valide. Formatage terminé. Voilà, et là je rentre dedans. Donc c'est bien, elle a déjà la lettre D, c'est cool, parce que, parce que des fois, en fait, il s'amuse à donner la lettre D au graveur, et la lettre E à la partition, donc tu es obligé de les changer. Elle en est où la station D des... Ah bah de la station de la première mise à jour est terminée. Donc je vais lancer le deuxième. Ah ouais. Il m'affiche l'exécution automatique parce que j'ai le formater, mais je ferme. Euh, hop, j'installe le deuxième pack, qui est donc le KB312-5574. Donc, pareil, je, lance, je relance une nouvelle fois Windows Update en mode hors ligne parce que je n'ai toujours pas Internet sur ce PC. Voilà. Faudrait que je teste car il y a bien un petit tuto, mais j'ai pas compris ce que disait le mec. Ouais, bah, faut voir les tutos. Après, il faut voir si les tutos, c'est, on peut le faire sur le logiciel, le logiciel officiel Sony tel quel, ou si c'est nécessaire de le hacker. Et euh, le truc, c'est qu'en fait, si euh, il fallait le hacker, euh, je préférerais. À que la garantie, elle saute. Oui, mais ben, si t'achètes une PS, si t'as une PS4 qui a plusieurs années, la garantie, tu l'as déjà plus. Donc on s'en fout. Oui, mais bon. Le problème, c'est que j'aurais tendance à le faire sur une PS4 que je ne connecterai pas à mon compte Sony. Non, parce qu'avec a... bon. les adresses, ils peuvent te retrouver. Non, c'est pas ça. C'est que si Sony détecte que tu joues sur une console qui est hackée. Ils peuvent Mais décider. Vous... Ils, ils peuvent décider de bannir ton compte. Et si tu bannis ton compte, bah t'as plus accès aux... as plus accès aux fonctions en ligne. Okay. Et surtout, bah surtout si t'as des jeux achetés sur le PSN ou des conneries comme ça, bah t'as plus accès, donc tu peux plus les télécharger. Donc euh, l'argent que tu l'argent dépensé dans tes jeux en ligne, t'es bien content, quoi. Donc, honnêtement, si je, devais, si je devais hacker une PS4 pour utiliser, euh, avoir accès à ce genre de fonction, je préférerais prendre une, PS, une deuxième PS4 qui ne me servirait qu'à ça, tu vois, et que je connecterais jamais à mon compte. Et pareil avec euh, la Switch. Hein. Parce que des fois, il y en a qui m'ont déjà dit bah, hack ta Switch pour euh, installer, installer des émulateurs, des machins, des trucs. Bah pareil, je préférerais avoir une deuxième Switch qui sert qu'à ça et que je ne connecterais pas à mon compte Nintendo. Donc là, encore une fois, il me demande si j'accepte si l'installation du pack de mise à jour dont je viens de, que je viens de lancer. Donc on accepte. Là, par contre, ce pack-là va être plus long à s'installer que le premier. Le premier était court. Le premier, le premier pack, c'était juste un prérequis pour que le deuxième fonctionne. Parce que oui, parfois, certaines mises à jour ne, 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 ne peuvent s'installer que s'il y a d'autres mises à jour précédentes qui sont déjà là. Donc en fait, pour que le second pack fonctionne, j'avais besoin que le premier soit installé. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Enfin, sinon, il m'aurait dit direct, euh, il m'aurait mis une erreur. Euh, pour, soit, soit, il soit il aurait été gentil, il m'aurait dit le numéro de mise à jour qui manque. Soit il aurait juste dit euh, le, système, le, le pack n'est pas compatible, on ne peut pas s'installer, on connaît comme ça sans, sans rien de préciser. Ça y est déjà 7 heures Eh ben bah, oui. C'est pour ça que je dis que j'espère que cette étape va aller assez vite. Je n'ai même pas vu le temps passer en faisant ma broderie de diamant. Parce que sinon, euh, je serais obligé de faire encore un live. Euh... Et si une P... question Si la PS4 est modifiée, c'est le bannissement définitif direct. Voilà pourquoi je disais que si je devais acquérir une PS4, ça serait... ça serait sur une PS4 que je connecterais jamais à mon compte. Comme ça, bah, si t'es pas connecté à un compte, bah, pas de bannissement. Puisqu'il n'y aurait pas de compte une à bannir. à propos de live. La... la console elle-même pourrait se faire bannir. T'as une question à propos de... Du li de live. Oui. Est-ce que vendredi, on recommence les lives à deux ou pas J'en ai aucune idée. Faudrait qu'on le définisse, ça. Parce que normalement, on doit reprendre du Mario vendredi. Voilà. Donc, euh... bah, Vous pouvez dire hein, dans le chat si vous aviez l'habitude de suivre euh, quand on faisait. Euh... Ouais, c'est ce que je dis Max. Mais si tu le fais sur une PS4 que tu connectes jamais à ton compte, vois ce que je veux dire. Donc, ok Sony le détecte, ils bannissent la console. Hein, mais le compte, si, tu con... si, le... si ton compte tu le connectes pas dessus, je veux dire, je prends pas ma PS4. Ben bah, oui. Sony peut pas, le savoir hein, si, euh... si, si tu te connectes pas dessus. Attention, faut pas, faire la faut pas faire la bêtise de prendre, enfin, de prendre sa PS4 de la, de la formater pour que le compte soit plus connecté et de le faire parce qu'il risque peut-être de se rendre compte que la console a servi avec ce compte-là. Par contre, si j'achète une PS4 d'occasion euh, sur le Bon Coin euh, ou une connerie comme ça, que ouais, je, la, je la ramène chez moi, je la connecte. Ouais ouais, dans un, enfin que t'achètes une PS4 d'occasion ou, ou, même, ou même une neuve qui traînerait dans un. Bah bon, neuve, je vais pas m'amuser à acheter une neuve parce que le prix, merci. <laughs> Lol puis très franchement pour faire de l'émulation j'ai déjà mon recall box, hein, donc euh, je vais pas m'en hein. je, je dis ça je le dis en théorie mais je le ferai pas hein. je veux dire à part si j'avais envie de hacker si j'avais envie de hacker des jeux PS4 mais en tout cas si c'est pour s'en servir en plateforme d'émulation j'ai déjà mon Recalbox pour ça euh... voilà quoi mais tu vois ce que je veux dire Max si je prends une PS4 que j'ai que j'ai jamais utilisée avec mon compte et que je la connecte pas à mon compte et que je la hack ben, logi peut logi logi Logiquement Sony ils peuvent bannir la console mais ils peuvent pas savoir que. Tu vois, je veux ce que je veux dire. Il pourraient pas bannir mon compte, il aurait pas servi dessus. Et en même temps, si par exemple elle est déjà hackée et que c'est pas toi qui l'a fait, comme me le savent. Mais ça, ils s'en foutent, hein. si, si Sony détecte une console une console hackée, ils s'en foutent non, de savoir qui l'a fait. Hein. Oui, oui, mais ouais, j'ai vu que tu étais de retour. Pour nous jouer de mauvais tours. Donc, oui, euh, en attendant, euh, si je peux revenir ici. Donc, dans la partition de données, à la, à la racine de la partition de données, je vais créer un dossier euh, que je vais mettre euh, à, mon, à mon beau prénom, comme je disais. Bon, de toute façon, c'est pas un secret, tout le monde sait que je m'appelle comme ça. Tu as deux PS3 quai okay, pour jouer sur émulateur. <laughs> dit le pas sur YouTube, sinon tu vas te Ouais ils ont autre chose à faire. <laughs> Donc là ici je, une fois que je suis dans mon euh, dans le dossier que j'ai fait à mon prénom, je vais recréer des dossiers au nom des sous-dossiers qui sont de, de base dans Windows. Donc je vais faire un dossier document. Je fais un dossier images. Euh, ouais sauf que si je me plante, euh, si je me plante dans la case c'est un peu con. Bah alors pourquoi mon F2 Images. pour renommer bah, Je sais pas, j'appuyais plusieurs fois sur F2 pour renommer, ça faisait rien. Images, vidéos, musique. Musique. En général, moi j'en fais 5. Je les fais pas tous hein, parce que de base, votre dossier utilisateur. J'ai Bon j'ai cliqué, mais il n'y a pas l'air de vouloir le prendre. Ah ça y est. Vous avez tout ça hein. Vous avez le bureau, les contacts, les favoris, les liens. Le... Voilà, vous avez du musique, documents, images, vidéos, partie enregistrées, recherche et téléchargement. Moi là-dedans, j'en prends, prends que 5 parce que les autres, je ne m'en sers pas. Je ne me sers pas des autres. De toute façon, le, le bureau, le dossier bureau, ça correspond à ce que vous avez. Je vais y oui, arriver tout le toutes les fenêtres. Vous avez sur l'écran ici. Voilà. D'ailleurs, si vous mettez des raccourcis sur cet écran, ce sera ça fera partie de votre dossier bureau. Le truc, c'est que ce dossier-là, je vous conseille de le laisser sur la partition Windows. C'est mieux. Donc là, je disais, j'en avais fait trois. Donc, il y a les vidéos. Les images. C'est déjà fait, ça. Les, Et les, téléchargements, les téléchargements. Attends, je regarde juste si je l'ai bien écrit. Parce que des fois, ça m'arrive de faire une erreur de frappe au clavier. Surtout que ce clavier-là, il a les touches très collées les unes sur les autres. Alors, euh... j'ai vite fait de faire des fautes de frappe avec ce clavier-là. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire. Attends, je vais quand même regarder où en est le. Vous voyez que la mise à jour, c'est toujours en cours. Hein, donc, euh... autant que je fasse le reste okay. à côté. Hein. Tu vas changer, le... tu vas changer le... la cible, non enfin, C'est ça. Cible. En fait, maintenant, ce que je vais faire. Attends, déjà, je vais mettre les deux, les deux fenêtres. Euh... En demi-écran pour qu'on qu voit bien. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est je vais dire à Windows que les dossiers documents, images, musique, téléchargement et vidéo que j'ai choisi euh, seront sur la partition secondaire et non pas dans la partition où il se trouve lui-même. Donc pour ce faire, par exemple, on va déplacer le premier dossier. Voilà, le dossier de musique. Parce que celui qui apparaît en premier, mais bon, pourquoi pas. Je fais propriété. Et une fois que je suis dedans, je vais dans l'onglet Emplacement qui est là. Donc là, la ligne qui est ici définit l'endroit où le dossier musique de, de mon utilisateur est stocké. Donc, je vais faire déplacer. Je vais faire ici dans le, dans le raccourci à gauche, je vais dans la partition D. Je vais dans le dossier que j'ai fait à mon nom. Et je sélectionne le dossier musique. Là, je fais sélectionner un dossier. Voilà. Donc là, D, viens, musique, voilà. Je valide. Là, il me demande si ce qui se trouve actuellement dans le dossier musique du système doit être déplacé dans le nouvel emplacement. Donc Ouh. il faut faire oui. Vous devez faire oui. C'est très important. Je valide, et voilà. Là, vous voyez que ici, le dossier musique a, a pris l'icône euh, du système. Et bon, il s'appelle ma musique, mais bon. Euh... En général, le jeu, là, je ne vais pas le changer parce que sinon... Euh... Mais en général, là, je les change. C'est-à-dire, je les renomme en musique. Euh... Mais bon, ça, vous n'êtes pas en obligé fait, de le faire. Il y a le mot devant. C'est ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, je vais faire vraiment basique. Donc là, on, va... on fait pareil avec les documents. Propriété. Emplacement. Déplacer. Partition D. Je rentre dans mon nom. Je fais mes documents. Sélectionner un dossier. OK. On accepte le déplacement. Voilà. Tu m'expliques comment tu rentres dans ton nom, hein mais bon. Oh, mais t'as très bien compris. Eh, hey, mais si je peux pas faire de blog, tu me le, le dis. Do euh, le dossi crois, le hein. dossier à mon nom, voilà. Eh, hey, on va rentrer. Hey, t'as déjà bien dit des choses, toi. J'ai rien dit, moi. Aujourd'hui, aujourd j'étais sage. <laughs> hein, on... Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu dis quand tu parles du livre de la jungle le... au, de... Au, lieu de... au lieu de dire dans le film. Ah, le dans Au Mougli. lieu de dire dans le film, voilà, elle dit dans Mowgli. Le pauvre, hein, ça doit faire mal. Euh, non, voilà les images qu'elle est a... en train de faire. Il y a peut-être un retro oh. en même temps, je sais pas. Hein. Oh, oh mon Dieu, ce live va prendre une tournure 18+. Plus. Après les trucs de racisme, on va prendre les trucs sur le sexe. <laughs> sur PS3, un truc utile à faire comme le hack c'est désactiver le. Ah oui, c'est vrai. J'avoue. J'avoue que si le DHCP avait pu être désactivé, j'aurais pu capturer ma PS3. Mais bon, comme ça passe par un hack. Euh... Encore une fois, il m'aurait fallu une vieille, PS3, une vieille PS3 que je connais jamais à mon compte et qui sert qu'à ça, quoi. Parce que j'ai pas envie de me la faire bannir. J'ai pas envie de me faire bannir ma vraie PS3 actuelle, quoi. Encore si je me fais bannir une PS3 qui sert qu'à ça, je m'en fous. À la limite, il faudrait limite que je trouve une PS3 déjà bannie, comme ça. Comme ça, je, je sacrifie pas une PS3 qui marche. Euh, du coup, je suis un peu... Voilà. Euh, J'étais en train de faire le dossier des vidéos. Vidéo. Il y a parfois qui dit des âneries quand j'ai le livre dans, dans, dans mon gris, là. Et je fais les téléchargements. Mon neveu, quand il était petit, il disait le beau trou de dame. C'est pas pareil aussi. Bien, il m'a déjà dit. T'as dit, t'as mal à la tête, rentre dans mon coffre à la fête. Ah, on en parle. Un dossier. Ok. Oui. Voilà, comme ça, vous avez vu, mon... le dossier que j'ai créé dans la partition donnée se retrouve bien avec les icônes du... du système Windows. Ce qui fait que maintenant, si je me mets là par exemple et que je fais documents, bibliothèque documents, deux emplacements, regardez, si je fais deux emplacements, regardez. Mes documents, D. D. Fabien documents. Voilà. Fabien nous, ouais. Oh non, s'il te plaît. voilà, <laughs> <laughs> Wally. Fabien nous. Donc ici, bon, on a avancé, hein, il, il, il progresse. Hein. C'est bien, c'est bien. Pendant ce temps-là. Euh... Je donne la manivelle. Pendant ce temps-là, le dossier, euh, ce dossier-là, <laughs> je vais aller le placer dans mon. Non, ça, je le mets comme ça, on peut le fermer. Euh, téléchargement. Alors ensuite, normalement... Euh... Oui, ça c'est le dossier. C'est le dossier avec les programmes que je vais euh, installer sur, euh, sur le PC. Déjà, déjà ici, je vais juste faire un truc. Un truc que je fais systématiquement ça. Affichage. Euh, voilà. J'enlève masquer les extensions de fichiers. Voilà, comme ça j'ai bien les points exe qui apparaissent. Euh, ou des MSI des fois. Ça arrive. Donc là c'est pareil, ce dossier-là. Je vais le prendre et je vais le copier. Dans le disque dur. Bon, c'est vrai que ça serait bien que ça passe un peu la seconde parce que c'est vrai. En fait, finalement, quand vous faites un PC, finalement, c'est ça le problème. C'est les moments où vous êtes obligé d'attendre. Voilà. Donc c'est bien. On s'éclate. Eh, Qu'est-ce que vous avez raconté Racontez-moi une ah blague. Ben, parle... C'est vrai que ça parlait de PS3. je euh... vrai. Bah, regardez, déjà, déjà, le HDCP sur PS3, ça, ça, comme, comme je ne peux pas capturer ma PS3, je n'ai pas pu poursuivre la saga des Ratchet and Clank dans laquelle je m'étais lancé. Hum. Et euh, aussi, pour la, pour la série des Uncharted que j'ai lancé, ça aurait été bien de faire les jeux sur PS3, parce que les jeux de la PS3, les trois premiers Uncharted de la PS3 remasterisés sur la PS4, qu'est-ce qu'ils sont buggés hum. D'ailleurs, je vous conseille, je conseille d'aller jeter un oeil à l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Oui. Je peux spoil. Non, tu peux pas spoil. <laughs> sinon, ils auront, sinon, ils iront pas regarder. J'ai pas envie de la bousiller, merci pour les conseils. Ouais. Non, mais je te dis, des, 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 ha des hacks de console, de, de consoles, de, surtout des consoles récentes, vaut mieux avoir une deuxième console qui sert qu'à ça et tu, que tu connectes jamais à ton compte. Quoi. Sinon, oui, euh, tu vois. la de... qu'on a faite, c'est la oui, en fait. Je y a déjà un certain moment. Oui, mais la Wii, le compte Nintendo était pas lié à la Wii. Non. Et puis de toute façon, honnêtement, c'est vrai que finalement Nintendo n'a jamais banni les Wii, hein. Bah, du moins pas que je sache. Ce que je veux dire, malgré, 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 malgré nos, nos Wii hackés, on a déjà bon. Bon, faut dire après que les Wii on les nos Wii on les a hackés après que Nintendo ait arrêté les et, et, euh, fermé les serveurs de jeux en ligne. Il y a ça aussi. Mais bon, n'empêche que ta Wii, oui, elle est pas reliée à un hein, compte Nintendo. La Wii U l'était. Ah, elle l'est toujours. Même la Switch. Bah tu t'es pas obligé. Attention, t'es pas obligé. Enfin, j'ai envie de dire sur PS4 non plus. Enfin, sur le PlayStation, t'es pas obligé non plus, en fait. Hein. Je dis ça, mais. C'est n'importe quoi ce que je dis. Comme d'habitude enfin, On va dire que Nintendo a proposé la liaison à un compte Nintendo que depuis la Wii U et la 3DS. Pareil, la DS Lite, enfin, quoi que la DS Lite, c'est pas pareil, la DS Lite, tu pouvais passer par un linker, donc, donc le linker ne hack pas la oui, ne, ne hack pas la DS, pardon. Voilà. Bon, là, la, la barre arrive à la fin, donc ça devrait se terminer. Quand la mise à jour sera terminée, je vais déconnecter la clé USB. Et puis après, je... il me semble que normalement, il va me demander de redémarrer le PC. Et vous verrez que par la magie, une fois la mise à jour, mise à jour terminée, l'installation du pilote réseau marchera. Oui, tu peux utiliser les. Bah en fait, j'avoue que moi, ma bah oui, bah oui, si je l'avais si hacké, c'était pour ça, en fait. C'était pour pouvoir accéder au aux serveur custom pour Mario Kart. Sauf qu'au final, j'ai vite arrêté de jouer à Mario Kart, oui, parce que. Le problème, parce en fait. marre ben c'est pas ça. Le problème c'est que sur le online de, la, de Mario Kart Wii via le serveur custom, ben dessus t'as que les gens qui savaient qu'il fallait faire ça. Et en général les gens qui savent, qui savent faire ça c'est des gens qui, qui jouent bien. Donc le problème c'est qu'en fait sur le online tu n'as plus, plus que des joueurs qui te défoncent la tronche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que avant, tu pouvais trouver un équilibrage parce que t'avais les joueurs très forts et les joueurs très mauvais. Mais le problème, c'est que sur les serveurs custom, les, serveurs, les joueurs très mauvais, ils savent pas qu'ils peuvent faire ça. Donc, euh, bah. <laughs> Donc, du coup, tu te retrouves que t'as plus que les joueurs qui te défoncent la gueule. Donc, au final, bah, j'ai vite arrêté. Enfin, faut dire qu'il y a eu Mario Kart 8 entre temps. Alors. Euh... Et même Mario Kart 8, faut pas croire, même le Deluxe sur la Switch, j'y joue quasi pas. Hein. En gros, en gros j'y ai pas rejoué depuis la dernière fois qu'on avait fait un live dessus. Faut voir un petit jours qu'on fasse ça. Qu'on repropose un petit quelque chose pour ceux qui auront envie de jouer avec nous. N'est-ce pas, Yochette Mais moi j'ai que la sur la, sur la, sur la, la light, hein, la Switch. Hein. Bah, ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Hein à une condition que vous êtes tous dans mon équipe. <laughs> bah, après, ça dépend du nombre de joueurs. Hein. Sinon, je fais comme The Voice, je vous veux, ouais. Eh, hey, tu rigoles, mais ça pourrait se faire hein, si, tu, si tu te limites à 6 joueurs. Hum mm -hmm. Eh. Hey. Tu prends, six joueurs, tu, tu prends six joueurs qui se mettent en, ils se mettent en équipe et puis, on, et puis on se met contre une équipe d'ordi. Mais Chut. bon, ça serait, ça serait pas drôle les IA du, les IA du jeu, euh, tu les bats assez facilement. Tu les mets difficiles pour rigoler. Bah. Bon. bon, alors là, vous voyez que l'installation de la mise à jour vient de se terminer. Il me demande de redémarrer le PC. Donc avant de redémarrer le PC, je vais déconnecter ma clé USB. Donc l'icône elle, elle est... sauf qu'elle est planquée dans les... Hop, On la met là. L'icône de au genre de pareil, on va la mettre là. Donc éjecté. Le matériel peut être retiré. Hop. Et on redémarre cet engin. Alors j'espère que ça ne va pas être trop long. Parce qu'en gros, le pack de mise à jour qu'on a installé... Euh, contient toutes les mises à jour de Windows 7 euh, qu'il y a eu euh, entre le Service Pack 1 et euh, la publication de ce patch là. Je sais plus trop de quand il date. Je mais... pense bon, si mes souvenirs sont bons que ce patch, date de, ce, ce, ce patch là date de 2018, je crois. Ah, Full Guy, ils en le pas, c'est con. Et le Service Pack 1 était sorti en 2011, je crois. 2011 ou 2012 En 2011, je pense. Donc on en dit, le patch qu'on vient d'installer, il contient euh, 7 ans de mise à jour à peu près. Rocket League, il me donne mal à la tête. Oui, Rocket League, on l'a. Ouais, bon, t'as mal à la tête pour rien. Je vois pas en quoi ça donne mal à la tête. Hein. Mmh, t'as tout dans tous les sens. Coucou, Rock. Salut, Rock. Ça va bien Les jeux PS3, Comment je les tournerai à partir, de partir de du PlayStation Now. Oui, oui, t'inquiète, Max. Euh, on... Enfin, nous, on le sait. Après les autres. Alors, au moins, vous le saurez. <laughs> Gratuit sur PS4, Switch et Xbox One aussi, je crois. Elle est multiplateforme. Même lui. sur PC. Le Remote Play. On ne connaît pas par là. Bah, ben, le, le principe du remote play, c'est de jouer euh, à une console à distance à partir d'une autre, quoi. Bah, ben, je sais pas, mais est-ce que ça serait euh, faisable Et à partir de quoi, surtout À partir de quelle plateforme, je veux dire Parce que moi, le remote play, je, 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 le, connais, je le connaissais pour jouer à la, à la PS3 depuis une PS Vita. Tu crois que depuis mon PC, et depuis la PS4, tu crois que ce serait faisable Tu crois, genre que la PS4 serait capable de, serait capable de faire du remote play d'une de, de du PS3 Après, toute solution exploite et testable. Et, 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 et Et euh, pour la petite histoire, le Rocket League, non seulement il a été rendu gratuit, mais en plus vous pouvez y jouer en ligne sans abonnement. Vous savez, toutes ces consoles qui nous obligent aujourd'hui à avoir un abonnement pour pouvoir accéder aux jeux en ligne. Bah avec Rocket League, pas besoin. Et en plus, il est multiple plateforme en plus. Ouais. Donc ceux qui sont dans la Xbox ou quoi que ce soit peuvent jouer contre nous si on joue à la Switch. Mmh. Mais l'ennui, euh, ce qui m'embête, me, ce c'est que je me demande comment on fait pour euh, trouver des, trouver gens parce que, je veux dire, euh, avec, un, avec un compte Nintendo, tu peux pas être ami avec quelqu'un, un, avec, avec quelqu'un qui a un compte Xbox ou euh, micro ou Sony, enfin tu vois quoi. Bien qu'après il y a le compte, euh, il Epic, c'est vrai, c'est sûrement par le compte par le compte Epic que ça passe. C'est vrai, j'oublie. J'avais un peu zappé, ça. Donc, dis, moi, là, l'ennui, c'est que pendant qu'il fait ça, ben, je ne peux rien faire, là. Là, là, là. là, on est vraiment obligé, obligé d'attendre, quoi. Ouais, je me rends compte de l'heure qu'avance, on va être obligé de... C'est dingue. Je ne pensais pas que ce serait possible, mais je vais être... on, va, on va limite être obligé de, de faire un troisième live pour finir ça, quoi. Oh non, pas encore. Ouais, t'es pas obligé de revenir. D'accord, au revoir. Non, mais t'as très bien compris. Hein mais en fait, ce que je veux surtout vous montrer, c'est le système des mises à jour. Après le reste, c'est pas très important, quoi. Parce que finalement, on a, on a, plus, ou, on a plus ou moins fini ce qu'on devait faire. C'est-à-dire, le, le PC fonctionne. Voilà, le 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 le, 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 le PC qui, le PC qui était prévu pour les poubelles marche. Et moi je, je colle. Donc l'objectif il est rempli. C'est juste que je veux vous montrer. Que, ce qu'on peut, qu peut encore faire avec un Windows 7. Parce que sinon, on aurait pu dire oh merde, on s'en fout, on fait la mise à jour. Parce que oui, oui, oui. Il faut bien comprendre. Quand euh, Windows 10 a fait son apparition. Microsoft, souvenez-vous, avait lancé une campagne de mise à jour gratuite de ceux qui avaient Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10. Et ils avaient dit, ça avait été lancé en juillet 2015, et ils avaient dit, vous avez un an, vous avez un an pour le faire, après la promotion s'arrête et vous devrez payer. Sauf que dans les faits, dans les faits, si vous avez un Windows 7 ou un Windows 8 activé d'installer sur votre PC, si vous téléchargez le fichier de migration Windows 10, euh, sur, votre, euh, sur votre PC, la mise à jour marche toujours gratuitement. Et j'irai même jusqu'à dire qu'on peut faire mieux que ça. Si vous installez directement un Windows 10 dont l'édition correspond à la clé Windows 7 qui est collée sur votre PC, vous pouvez même mettre votre clé Windows 7 directement dans Windows 10 et ça, et ça marche. Donc, même si Microsoft a officiellement arrêté sa promotion de mise à jour gratuite de Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10, et ben dans les faits, vous pouvez toujours la faire. On voit bien, Rock et toi. Ouais, moi ça va. De toute façon, je peux vous le montrer. Hein. Le deuxième PC de la même référence que j'ai mis Windows 10 dessus, je l'ai à côté. Hein. Donc, je peux... à la limite, je peux aller le chercher, le brancher, l'allumer pour vous montrer. Hein. On va voilà. attendre que notre PC mouline. Eh non, là je peux pas. Sinon je serais obligé de le débrancher. Parce que pour brancher le deuxième, il faut que je puisse débrancher celui-là. C'est con, hein. Parce que j'ai pas assez de prise de... J'ai une idée. Merci. Tu On trouves la prix. personne via le rocket idée. Ah, merci Max. Parce que j'avoue qu'il faudrait qu'un de ces jours on essaye de passer sur euh, ceux d'Eric. De la chaîne Alex Express. Oui. Parce que j'avais dit qu'on essaierait de... de faire une partie, de faire de faire une de de une jouer avec lui quand lui fait une partie pour voir un peu le fonctionnement du truc. En tout moi j'ai déjà joué à Rocket League. Oui bah ben, moi aussi j'ai joué vite fait pour euh, le tuto. Enfin, en, en fait en fait j'ai joué le tuto j'ai peut-être fait, peut fait, peut fait, peut fait deux parties pour vérifier que la connexion en ligne marchait. Et en plus le tuto, je me le suis tapé deux fois. Parce que je l'ai fait une première ouais. fois sur ma Switch et je l'ai refait une deuxième fois sur ma PS4. Parce que j'avais naïvement cru que comme ça passait par un compte épique. Parce que le jeu, quand tu le lances, il, de... ou... il, te... il te demande si tu veux utiliser tes informations de compte Nintendo pour faire un compte épique. Là. Et je m'étais dit en me reconnectant à ce compte épique sur la version PS4, je m'étais dit ça récupérer la sauvegarde, bah ben, même pas en rêve. Donc autrement dit, sur la version PS4, j'ai dû me retaper le tuto. Voilà, on a enfin redémarré le système. Voilà, et maintenant je vais vous montrer. Donc, je vais dans mon dossier de téléchargement où j'ai copié le pilote. Et vous allez voir que là, cette fois-ci, comme par magie. Faut que vous que ça lance. Hein. Enfin, n'empêche, tout à, tout à l'heure, quand, quand je validais le lancement, il me mettait l'erreur directement. Hein. Voilà. Ça se lance. Magie. Donc là, on installe le pilote. Attends, je vais juste faire ça. C'est quoi, venu... quoi, quoi de la Quoi C'est quoi de la Oh, c'est un... Je sais que ça existe, mais je n'utilise pas. En fait, c'est un logiciel qui est censé... Euh... Qui est censé... Être... En fait, il te met une liste de logiciels gratuits que tu peux avoir sur ton PC. Et tu les coches, et il télécharge tout, il installe tout, mais... Déjà, le problème, c'est que ça t'oblige à faire des téléchargements, donc c'est chiant. Et en plus j'ai peur de ne pas, pou pas pouvoir euh, installer certains logiciels comme je le veux. Quoi. Donc je préfère encore le faire manuellement, tu vois. C'est peut-être un petit peu plus long. Ben oui, au max, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait sur les deux consoles. Mais les sauvegardes des deux consoles sont pas synchros. C'est-à-dire que ce que, je fais sur la, ce que je fais sur le Rocket League Switch ne se répercute, ne se répercute pas sur le, sur le Rocket League PS4 et inversement. Malgré que, je, malgré que les deux plateformes sont associées au même compte Epic. Je vais même te dire, même mon pseudo n'est pas le même. Parce que sur la Switch, il prend, il prend le pseudo, mon pseudo Switch et sur la PS4, il prend mon pseudo PS4. Enfin, PSN. Donc, l'installation du pilote réseau. Et une fois que ce sera fait, on aura accès à Windows Update. Enfin. Enfin, sa version en ligne. Voilà. Là, vous voyez, ça, ça se voit peut-être pas très bien sur votre écran, mais. Euh... D'accord. Réseau, pas d'accès Internet. Euh... Ce qui m'étonne, c'est la présence de l'icône du banc. Parce que l'icône du banc indique que vous êtes connecté à un réseau public. Ça être des réseaux de hotspots, ce genre de truc. Et normalement, ils sont censés me demander la question, demander. Sauf que je vois que c'est marqué derrière. Voilà, sélectionnez l'emplacement. Donc, je suis sur un domestique, s'il te plaît. Euh, ça, on va juste dire qu'on a fini. Là, ouais, maintenant la connexion au réseau fonctionne. Normal, ça évite les triches. C'est trop facile de monter de niveau. Bah, en quoi Pourquoi ça serait de la triche de jouer sur deux consoles différentes Je vois pas en quoi Sachant hein. que tu récupères les manuels puisque c'est ta même partie. Ben oui. Garde. Tu prends Steam sur PC. Il y a beaucoup de jeux. C'est pas le cas de tous, mais il y a beaucoup de jeux où t'as la la, la, la la sauvegarde Steam Cloud. C'est-à-dire que dès que tu changes de PC, dès que tu changes de PC, il va te, re, il va te remettre la sauvegarde. C'est-à-dire, tu joues au jeu sur un premier PC, tu le fermes, euh, Steam remonte la sauvegarde sur ses serveurs, tu vas sur un deuxième PC, tu lances le jeu, Steam va te redescendre la sauvegarde pour pouvoir continuer ton jeu sur le deuxième PC. Alors, en quoi ça serait triché de faire la même chose avec Rocket League en passant de la Switch à la PS4 Je vois pas en quoi ça serait de la triche. À ce, ce moment-là, moment jouer sur un premier PC avoir la sauvegarde qui remonte sur Steam et, et, et continuer sur un deuxième PC avec la sauvegarde avec la sauvegarde de Steam, ça serait tricher. Tu peux récupérer des objets que tu n'as pas achetés que tu pourrais débloquer sur d'autres supports, mais. Bref, donc ça y est, là le réseau. Mais. Euh... Donc là maintenant, il me dit réseau accès internet. Donc maintenant, je peux faire hop, Windows update. Bon, forcément, pour l'instant, comme il est en jamais, ben, on fait rechercher des mises à jour. Et ça devrait commencer. Euh... Attends, je me rends compte qu'il manque le. Il me manque quelque chose. Évidemment la clé USB sur laquelle c'est stocké n'est pas, pas dans le coin. Ça m'étonne, normalement ça devait être sur cette clé USB là. Attends, je vais la rebrancher. Ça c'est la, la même clé que celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Je suis un peu surpris qu'il y ait un truc que j'ai pas vu, que je l'ai peut-être juste pas vu. Ah bah ben non, il n'est pas dessus, il n'est pas sur cette clé-là. Merde. Donc Windows Update ça va voir hein. Windows Update soit il va me dire Le nombre de mises à jour qui reste à installer Soit il va se mettre en erreur parce qu'il va me dire Oh Windows Update, oui parce que des fois ça arrive Des fois ça arrive que Windows Update fasse des... Fasse... Installe des mises à jour en arrière plan Sans vous le dire Et quand vous ouvrez vous même Windows Update Bah il vous laisse chercher Le truc c'est quand vous faites une recherche des fois il vous met une erreur Comme quoi Windows Update est déjà en train d'installer des mises à jour C'est complètement con alors, excusez-moi, je dois juste récupérer la clé USB sur laquelle se trouve ce que je cherche. Hop. Dégage-toi. Hop, 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 hop. Ouais. Voilà, ça, c'est mon sac de. Mon sac de quand je, dépla... je me déplace des panneaux des PC chez les gens. Hop. Voilà ça pour vous donner une idée. Ça ressemble à ça. Ouais, vous voyez un petit peu de matos. Et... Hop hop hop. Alors la clé USB par contre, là je vous l'ai montré comme ça mais la clé USB elle est dans le elle est dans le rabat normalement. Je suis même pas sûr que ce soit celle-là. Merde. Voilà, elle est là. C'est que USB là, je suis sûr que ce que je cherche est dedans. Oui, j'ai appuyé sur le clavier sans fil en bougeant le sac. Donc Ça va Yochette, t'es là? Oui oui. Oui oui. Oui oui. Oui oui. Avec son Voilà. Donc vous allez voir. Je vais vous montrer ce dont on parlait tout à l'heure. Et Kyle Soul, ça va t'intéresser si tu es encore dans le coin. Ça serait bien que tu sois encore dans le coin parce que ça, 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 ça devrait t'intéresser ce que je vais montrer. Ouais, voilà, donc forcément, installation de pilote de périphérique parce que j'ai branché une clé différente. Ouais, c'est bon. Moi vrai, il la... fait, moi. Il la reconnaît assez vite. Le vaccin Pfizer déconseillé aux forts antécédents allergiques, d'après des cas en Angleterre. Oui. Ben, oui, mais bon. Mmh. Voilà, donc je, euh, ce que je voulais vous présenter, c'est ça. Parce que vous pouvez voir le nom, hein, si, je vous, si vous n'arrivez pas à le lire. Euh, Bypass ISU US, V9. Voilà, donc ce truc. C'est ça qui va nous permettre d'installer les mises à jour euh, les mises à jour de, du support étendu. Attends, je vérifie ça fonctionne. Voilà. Donc en fait, c'est un, un, euh, un truc. Un, petit, un, un script à installer. Euh, qui euh, va en fait permettre de faire croire à Microsoft que le pc est éligible aux mises à jour étendues c'est à dire les fameuses mises à jour étendues dont, vous, dont je vous ai montré dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous remontre je m'embrouille avec mes souris désolé voilà c'est à dire ça ce qu'il y a ici voilà, donc avec ce truc là que je vous montre, en fait on va pouvoir bénéficier des mises à jour Windows 7, de la totalité des mises à jour Windows 7 jusqu'à la date de support final du 10 janvier 2023. En gros, en gros, c'est à ça que ça sert. Mais le truc c'est qu'avant de le mettre, il faut que toutes les mises à jour, il faut que toutes les mises à jour euh, Windows Update avant le, la fin du support officiel euh, ne soient installées. Je vais remettre la caméra du... Voilà. Voilà en gros le principe quoi. Hop, ça c'est ok. Ouais, donc je sais pas si Kaisuult sauté dans le coin parce que. On ne le voit plus. Parce que si jamais tu si jamais tu le veux, je peux te, te, te l'envoyer, c'est pas un problème. Parce que oui, en fait, il vaut mieux que je t'envoie ma version parce que ma version elle est, elle est préparée, quoi. Parce qu'en fait, je dans ma version... En fait, euh, le script, avant de fonctionner, il a besoin de mises à jour précises. Euh, qui ne sont pas proposées sur internet quand tu télécharges le truc. Parce que quand tu télécharges le truc sur internet, le, le, les mises à, voilà, les mises à jour qui sont requises pour Windows 7 sont... Euh, voilà, c'est... Ouais, c'est pas que là, là. Ça, là. Ça, c'est les mises à jour qui sont nécessaires d'être installées sur le... Et en fait il y a certaines mises à jour qui sont facultatives c'est à dire que même quand tu fais toutes les mises à jour Microsoft euh, bah des fois il y en manque et moi dans ma version j'ai le truc de fait donc ça serait intéressant que tu récupères la mienne plutôt que tu de, de, de la récupérer euh, de la récupérer puis, par toi-même parce et que, la récupérer... que tu la qui un message sur le Discord, si ouais. il parce que la, la récupérer par toi-même tu peux le faire hein. tu peux le chercher sur internet tu vas trouver. Hein. Là, je, te, je, te donne, je te donne juste le nom, tu rentres le nom sur internet, tu vas le trouver. Mais le truc, c'est que si tu, si tu télécharges celui qui est sur internet, bah, tu n'auras pas, euh, pas les mises à jour requises fournies avec. Tu seras obligé d'aller les télécharger toi-même. Tandis que si je te donne le mien, tu les auras directement. Donc, du coup, le patch, moi, je vais le, je vais le prendre je vais le copier sur, euh, sur le disque dur, comme ça, je pourrais enlever la clé. De toute façon, au pire, il y a des solutions pour l'envoi. Si je peux pas te l'envoyer directement par Discord, euh, je regarderai si je peux le faire. C'est-à-dire le, 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 le. En faire un dossier compressé pour que j'ai plus qu'un seul fichier. Mais il faudrait que. Ah non, je crois. Non, c'est pas la peine. Votre le truc. Fait... Ben le truc fait 130 mégaoctets. tant qu'il te donne ton, ton adresse mail en privé que tu l'envoies par un gros fichier. C'est ça. Il faudrait que je lui envoie par le site. Euh, le site de gros fichiers. Euh, le, le site grosfichiers.com qui permet d'envoyer des pièces jointes de très grande taille. Parce que sur Discord, c'est limité à 8. C'est limité à 8 mégaoctets sur la messagerie privée de Discord. Et là, euh, je veux dire, le truc fait 130 mégaoctets, on l'a vu pendant que je faisais la copie. Et si j'en fais un dossier compressé, on va peut-être peut descendre à 100 mégaoctets, quoi, à peu près. Et c'est sûr en que... Exemple, je pourrais pour l... vous dire que même sur Discord, les photos sont trop grosses. Ouais ouais des, des, fois, des fois quand on prend des... Des fois je me suis déjà fait jeter par Discord parce que ma photo fait 8,01 mégaoctets. Là quand c'est ça, t'as juste, juste doucement envie de les étrangler les mecs qui ont développé ce truc. Parce que même quand je prends des, même quand je prends des photos avec mon appareil photo de téléphone... Hein. Quand je prends des photos avec l'appareil photo de téléphone, des fois elles font 7 mégaoctets et demi, donc j'arrive à les envoyer aux gens, mais des fois elles font 8,5 et demi, voire 9, euh, et là, ben, là t'es obligé d'apporter les photos dans ton PC, de réduire leur taille, pour que ça passe en Discord, c'est vraiment chiant. On en parle de mes photos prises avec mon appareil photo, mon réflexe. Oh, c'est encore pire. Ton réflexe, il fait, il fait combien 16 ou 20 mégaoctets 20 mégaoctets 20 mégapixels pardon et ouais, je crois. Parce de mon que... L'appareil photo, photo, photo de mon téléphone ne fait que ne, ne fait que 8 ou 9 mégapixels. Donc vous imaginez que déjà à 8 mégapixels j'ai des problèmes. Alors imaginez Yochette avec son appareil photo qui en fait 20 mégapixels. <coughs> bah la plupart du temps elle est, obligée de, elle est obligée de traiter ses photos pour réduire le format, pour pouvoir les, 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 les poster sur Discord. C'est vraiment très chiant. Donc c'est plus la même qualité. Après, ils font, ils font ça pour euh, promouvoir euh, les, euh, les trucs payants, le Discord Nitro. Le boost. Qui permet de débloquer cette limite, mais bon, la limite gratuite, vous pourriez la mettre un petit peu plus haute quand même. Je demande pas de mettre 1 euh, giga ou une comme ça. mais mettez, met, mettez, je sais pas, à 20 mégaoctets par exemple. C'est pas grand chose. Qui veut dire que si les gens voudraient se servir de Discord pour envoyer des, euh, mettre des fichiers encore plus gros, ils seraient toujours obligés de passer par le, la formule payante, mais. Je crois qu'à mon avis, je ne peux pas trop traîner à les manger, je crois. Tu crois déjà mais ma mère m'a demandé combien de crêpes je voulais. Ah bah ça y est, il m'a indiqué, vous avez vu Même avec le pack, il reste encore 57 mises à jour à faire. Après, c'est pas maintenant, tu sais très bien que je mange vers 8h. Euh... Ouais, mais de toute Après. façon, euh... aller jusqu'à l'installation du patch, je... ça sera... ça, ça, c'est impossible dans, dans les 20 minutes. Hein. C'est impossible. N'empêche, vous voyez, c'est en faisant des lives comme ça que je me rends compte du temps que ça prend pour faire les choses. Parce qu'il faut dire aussi que là, je, je, je ne fais que ça. Là, des fois, des fois quand je suis obligé d'attendre, bah, je fais un autre truc, quoi. Alors oui, un truc que je n'ai jamais compris, hein, que je vous montre quand même. Hein. Là, dans les propriétés système, je vous montre bien, vous le voyez là, hein, le Service Pack 1 est installé. Le Service Pack 1 de Windows 7 est installé, on est d'accord. Hein. Alors pourquoi, quand je cherche les mises à jour Windows Update, pourquoi ici, il veut installer Windows 7 Service Pack 1 Pourquoi faut te faire chier, non, mais dis donc. Pack numéro KB976932. Voilà, mais là vous le voyez en wow, mise à jour pour Windows Def pour le Windows Defender intégré. Et là vous voyez que, mine de rien, regardez ici, il y a le pilote graphique. Oui, Windows Update me propose le pilote de la carte graphique de ce PC. Là, le Intel, ce qu'ils appellent le Intel Management Engine Interface. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais là, ici, on est sur là aussi, c'est deux pilotes. Hein. C'est des pilotes, ces trucs-là. Et il y a aussi des mises à jour en facultative, vous voyez. En facultatif vous avez... Euh... Ah, ça, c'est bizarrement... Bizarre, oui, bizarrement, une mise à jour pour l'écran. <laughs> Jamais compris. Voilà. Là, ici, il me propose une mise à jour Logitech à cause de la marque de la, souri, de la souris sans fil que j'ai branchée dessus. Ça, c'est parce que je branche ce clavier, cette souris sans fil-là qui me dit « mise à jour Logitech ». Là on a quelques mises à jour. Euh, ouais bizarrement, il y a une mise à jour Windows Server 2008. Bon parce que ça fout là. Voilà bon là je vais déjà lancer les, euh, les mises à jour euh, importantes sélectionnées. Mais de toute façon ça finirait pas dans les 20 minutes, le temps qu'il télécharge tout. Donc je pense qu'il est probable que la semaine prochaine je vous repropose encore. Euh, mais ça durerait moins longtemps. La semaine prochaine, à mon avis, ça durerait moins longtemps. Euh... C'est juste, mettre... juste le temps de vous montrer un petit peu le fonctionnement du patch. Mais de toute façon, serait Déjà qui déjà qu déjà qu seraient intéressés, parce qu'ils si sont le fait pour rien, ça sert à rien. Ah bah oui, il faut voir qui va venir. Hein. Donc ça serait mercredi prochain à la même heure, à 5h. Après dites-le, si 5 heures ça vous va pas, je peux le, je peux, le peux le faire, peux le commencer une demi-heure plus tard ou une heure plus tard. Hein. Je suis plus à ça après. Hein. Parce que voilà quoi. Mais à la limite Kay vu que t'as plus l'air d'être là sur euh, sur le live, je vais peut-être t'envoyer un message euh, sur Discord. Enfin, le patch en vrai, n'y a rien de bien dur. Ah, tu es là. De es revenu. Ouais, donc je te montre. Tu parlais des mises à jour. Euh... Hein tu, parlais, tu Tu parlais des mises à jour euh, Windows 7 pour avoir. Euh... Euh... payant jusqu'à 2023. J'ai ça. Ça ici, ce fichier, ce, ce dossier là. Ça, en fait, dedans, tu as un script euh, qui euh, débloque euh, les mises à jour euh, jusqu'en 2023. Voilà. Donc, en fait, j'ai expliqué dans le live que si tu veux, je peux te l'envoyer. Puisque tu disais que euh, quelqu'un le voulait. Parce que moi, comme je, moi, comme je disais, euh, tu peux le trouver sur Internet. Tu, tu, tu cherches ça tu, sur Internet, tu vas le trouver. Euh, le truc c'est que moi en fait je l'ai pré préparé derrière parce que le script en fait il a besoin d'avoir de, des mises à jour précises d'installer pour qu'il marche. Le truc c'est que sur internet les mises à jour on te les fournit pas avec et moi j'ai un dossier dans lequel tout est dedans. Voilà, là tu as, 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 as les mises à jour pour les Windows 7 64 bits, les mises à jour pour les Windows 7 en 32 bits. Donc moi en fait, si tu veux, il y a ça de rajouter dedans. En fait, j'ai rajouté ce dossier-là qui n'est pas fourni avec. Donc c'est pour ça que je disais, que plus intéressant que je ça serait plus intéressant pour toi que je t'envoie le... le mien. Comme ça, t'as pas à chercher les patchs. Parce que si tu, si tu cherches toi-même, en fait, tu vas avoir le script tout seul, tu vas le lancer, il va te dire, ah, il te manque la mise à jour numéro tant, il te manque la mise à jour numéro tant, et tu vas devoir tout aller récupérer manuellement sur le catalogue, euh, sur le catalogue mise à jour de Microsoft. Disons que ça te permet de gagner un peu de temps, quoi. Après, je te le dis, de toute façon, ce patch n'est pas du tout de moi. C'est un truc trouvé sur Internet. Ça a été fait par. Ah, je crois. Voilà, il est marqué là. Ben non, Azamos, c'est celui qui a rédigé l'article. Bon, c'est un. Tu vois, c'est un. Attends, il est là. Voilà. En fait, c'est ça, là, LiveOS Setup. Tu fais clic droit, exécutant en tant qu'administrateur. Et pour l'installer, c'est option numéro 1. Parce qu'en fait, dans le script, il sera marqué 1, euh, 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 installer le truc, 2, euh, le... Enfin, il y a plusieurs options. Il y a même une option pour le supprimer des fois que tu voudrais le virer. Hein. Tu peux le virer. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est clic, clic droit sur l'iOS setup. Euh... De toute façon, c'est marqué, marqué là. Non, dans, dans, non, lisez-moi, c'est marqué là, attends. Voilà, tu vois. Désactiver temporairement la protection antivirus. Oh, moi, j jamais... Moi, avec Kaspersky, j'ai jamais. J'ai pas eu à le faire. Hein. J'ai pas eu besoin de désactiver Kaspersky pour que le script marche. Mais en tout cas, tu vois, désactivez temporairement la protection antivirus. Euh, Assurez-vous d'installer les mises à jour nécessaires. Cliquez le bouton droit de la souris vers, sur liveOS setup. setup.cmd et euh, euh, exécuté en tant qu'administrateur. Et dans le menu, le numéro correspond à l'option souhaitée. 1. Hein, installation complète, suppresseur, euh, patcher, euh, etc. Mais euh, le truc comme je disais euh, Kyle, c'est que le fichier sera trop gros pour que je puisse te l'envoyer sur discord donc euh, je vais devoir te l'envoyer euh, avec le site gros fichier là et pour que je te l'envoie il faudra que tu me faudra que tu me donnes si... si tu peux me donner une adresse mail sur la messagerie privée de discord comme ça je pourrais te l'envoyer euh... je pourrais t'envoyer le script pour euh... pour installer pour installer les mises à jour Ma mère elle a dit elle fait chauffer mes crêpes ouais voilà. Il euh... y a juste. Ah oui, aussi. Que je te précise. Parce que le fichier. Le, le, le script ne, 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 ne te le dit pas quand t'as fini. Mais quand le script s'arrête et que l'installation est terminée, il faut que tu redémarres. Il faut redémarrer ton système. Et après, tu peux cher... Tu peux relancer Windows Update. Et, à... et d'un seul coup, les mises à jour, il te les trouver. Voilà. Il y a juste ça. Le script. Le, le C'est script, pas dit à la fin du script. Mais il faut que tu redémarres quand il est fini. Voilà. De toute façon, après, euh, après si, 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 si tu n'as si pas envie de chercher quelles mises à jour sont déjà installées ou pas, euh, tu vas dedans, tu lances chaque mise à jour l'une derrière l'autre, et si c'est déjà installé, il te le dira. Hein. Je veux dire, quand tu cliques sur un pack de mises à jour, euh, soit tu n'es pas installé et il s'installe, soit c'est déjà installé, et il te dit cette mise à jour est déjà installée sur votre... Voilà. Mais là, vous voyez, regardez le Windows Update. Euh... Il a, il a téléchargé seulement qu'à 43%. Ça va, le, ça télécharge plutôt vite. Hein, euh, ça va, j'ai une connexion assez correcte pour ça. Oh non, tu l'as pas fait de chez moi, je Ah ouais, là ça aurait pris. ça euh... là où, vous voyez, il y a 1147, donc il y a un petit peu plus d'un giga à télécharger. Donc voilà, après il va avoir le temps d'installation de toutes les mises à jour, donc ça va être bien trop long. Donc malheureusement, si, euh, pour vous finaliser un petit peu le truc, je vais devoir faire un troisième live. Donc est-ce que ça intéresse quelqu'un que je termine ça Parce que là, c'est vraiment du bonus, hein, parce que le, le, le PC, PC est-il sauvé des poubelles Oui. Il est complètement sauvé des poubelles parce que là, vous voyez, on est sur un système qui marche. Je rappelle qu'on est quand même parti d'un PC qui n'avait pas de disque dur, pas de mémoire, pas de ventirade il manquait aussi le, le rack à disque dur, hein, souvenez-vous. Souvenez-vous le, le, le bac en plastique dans lequel je mets le disque dur que je clipse à l'intérieur Il manquait tout ça. Et là on est quoi Je suis en train d'installer des mises à jour Windows dessus. Voilà. C'est pas mal franchement. Après, c'est pas la meilleure configuration du monde, mais très franchement, pour un usage, pour un usage bureautique musique, ça va passer. A la limite, je pense même que regarder des vidéos YouTube dessus, ça devrait aller. Mais par contre, c'est sûr que les jeux, on oublie. Ça, c'est évident. Hein. C'est pas du tout ce pas du tout ce qu'il faut attendre de ce PC là. Oh shit alors. Voilà. Il y a des PC bien mieux, euh, bien mieux lotis euh, à ce niveau. Hein. De bah, toute façon, déjà pour euh, si on voudrait vraiment jouer à des jeux, même en mettant des paramètres un petit peu réduits, quoi, euh, il faudrait installer une vraie carte graphique. On peut, hein on peut installer une carte graphique y a le port PCI Express dedans. Hein Par contre, je suis obligé de trouver une carte graphique, euh, vous savez, en low profile, c'est-à-dire en... en moins large. En slim. C'est ça, si tu veux. Mais en tout cas, mettre une vraie carte graphique, ça se peut, quoi. En vérité, tu peux tout faire. Tu, tu, mets plus de, tu mets plus de RAM, tu mets une vraie carte graphique et tu mets un petit processeur un petit peu mieux, euh, c'est bon, on peut en faire une machine, une machine de jeu modeste mais qui marcherait, quoi. On mais là, en, en, en utilisant le chipset graphique de base, euh, non, les jeux, c'est pas la peine, quoi. Je dis, de, de l'émulation de vieilles consoles, ça peut passer, L'émulation de vieilles consoles, ça marchera. Mais des jeux PC, euh, non, vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux pas, trop, pas trop en attendre, quoi. Voilà. Genre, vous pouvez pas faire du Call of avec ça. Ah, oui, c'est sûr. À moi, de, à, à moi de prendre un Call of d'il y, y a 15 ans, quoi. On du Fortnite, carrément. Mm. On vous rassure, on joue pas à ces jeux. Bon, après, il y a PC Gamer et PC Gamer. Hein. Parce que disons que je me, méfie des, je me méfie des marques qui te vendent un PC Gamer, mais, que mais en façon purement marketing, quoi. Tu sais le genre, le genre de PC, non, le, PC ga gamer le genre de Genre le PC gamer Avec toutes les lumières Qui servent à rien en fait Ouais ouais T'as des PC gamers comme ça Avec des LED de partout Machin Et puis tu regardes la config euh, Ouais d'accord Parce qu'on en a connu hein ouais. On a connu une personne qui a acheté un PC bien gamer avec de la LED de partout, des ventilateurs, tu sais, des ventilateurs qui changent de couleur, machin, jouet, bidule. On a regardé, on a regardé la, a regardé la, euh, la configuration. Mon PC est mieux. Tu parles euh, d'une certaine personne qu'on a lâchée Oui. Attends, euh, moi, attends, je peux vous montrer. Hein. Je peux vous et montrer. C'est personnes... une personne, fumeuse où la tour elle était bien grasse et tout jaune. Oui, cette même personne. Je peux citer le nom. Non. non. Parce qu'on n'est pas là pour. Euh... Ça, serait, ça serait méchant de ma part. Voilà, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On n'est pas là pour tergiverser sur les ambulanciers. De toute façon, ceux qui... Ce... Déjà, qu on ceux qui nous suivent, normalement, sont, sont courants. Voilà, ouais. ceux qui nous connaissent savent très bien de qui je parle. Voilà, donc je vous montre, je vous montre la page Windows, hein, je me fais pas chier. Hein. Euh, voilà. En fait, j'ai un bon, un bon quad core à 4-2 GHz euh, avec 16 Go de RAM. Euh, tu vois. Ah, c'est dommage que sur cet écran-là, on voit pas la carte graphique. Je crois que pour voir la carte graphique, il faut faire. Euh, attends. Je le sais en plus. Ah oui. Il faut faire, euh, faut faire la fenêtre exécutée et il faut faire des X-Diag. Voulez-vous vérifier si au pire de... Oui, c'est ça, comme ça il sera content. Et normalement ça va me le dire la carte graphique que j'ai. De toute façon pour le PC, euh... on va en rester là. Hein. Voilà. Donc là sur cet écran là, on, a le... on retrouve l'indication du processeur, la quantité de RAM. Le fabricant du système, le système c'est écrit ça parce que mon PC n'est pas de constructeur. C'est une carte mère que j'ai acheté euh, séparément et que j'ai monté les pièces séparément. Donc, euh, donc quand vous faites ça, c'est marqué. Sinon si vous auriez cessé un PC de marque, ça serait écrit votre constructeur et... Et normalement si je fais ça, voilà. Donc ici Nvidia GeForce euh, GTX 750 Ti. Voilà, comme ça ça vous donne un petit peu une idée de la... Ah ouais d'accord. En fait il m'a affichage un affichage 2 parce que j'ai deux écrans. Putain, son oh la vache 7 périphériques de son, ça va T'en as assez Enfin voilà. Euh, donc là, au niveau d'OBS, je vais remettre le... <laughs> Mais bon, le truc, c'est que cette personne, elle a, elle, elle a acheté un euh, bien, donc tu vois, tu tu as, as, as tous les ventilateurs. Ouais, T'as hein, la façade en vert avec les, euh, les ventilateurs, les les, les les grands ventilateurs, les gros ventilateurs qu'on te met devant avec euh, qui font multicolores, machin chouette bidule. Euh, si je vous disais qu'elle a que 8 gigas de RAM. Déjà. Donc, elle a moitié moins de RAM que moi. Et euh, le processeur, je crois qu'il fait. Euh, je crois que c'est un quad-core qui fait que 3,5 GHz ou une connerie comme ça. Mais t'as pas compris que c'était pour crâner. Encore une fois. Par contre, je crois et que, je que sa carte, carte graphique, elle est un... plus importante que les autres. Par oh. contre, je crois que sa carte graphique, elle a un tantinet meilleur, mais du reste. Euh... Parce qu'il me semble qu'en carte graphique, elle a pris une 1050 Ti, je crois. Une 1050 oh, ou une 1060. Okay. On en même temps, c'est toi qui les a conseillés, non Ben, euh, j'ai essayé de les... conseiller. Oui. c'est-à-dire personne on les a conseillés, mais elle fait tout à côté, en fait. Voilà, j'ai essayé faire de les... Tu peux faire ça, mais elle, elle écoute rien du tout. Voilà. j'ai essayé de les conseiller un petit peu, mais bon... C'est pas, rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre. <laughs> Plus ou moins, ouais. Et ça n'a même pas passé par le cerveau, je crois, aussi. Le cerveau, il est en vacances, je crois, ce jour-là. Enfin, bref. Donc c'est pour ça je dis, je connais, je veux dire, je, je, enfin en tout cas toujours pour toujours toujours pour dire que je connais ce genre de PC où ils te où ils te disent PC gamer parce qu'il y a de la LED de partout machin et qu'il y a une config de merde, on connaît, voilà. Je préfère franchement, je préfère franchement moi personnellement aujourd'hui je préfère, je préfère, non mais je préfère franchement un PC qui ressemble à un cube tout noir mais qui a une bonne carte graphique, un bon processeur, de la, enfin tout ce que tu veux quoi façon, à force. Après les LED et tout, après tu peux les rajouter en plus, c'est ça le problème. Ouais. Et puis même, euh, je veux dire, autant mon euh... boîtier actuel, oui c'est un boîtier où il y, y a deux ventilateurs LED en façade et qu'on les voit, mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à trouver que les LED c'était un petit peu surfait. Ouais. Autant, autant, avoir les LED sur le... pour avoir du rétroéclairage des touches au clavier, euh... c'est utile. Ça a une utilité quand vous êtes dans quand vous êtes dans le dans l'obscur enfin dans la semi-obscurité Ça ça peut être utile. Je veux, je veux dire, je veux bien garder euh, mon clavier et ma souris qui font des LED parce que ça permet de ça permet de mieux exploiter surtout le clavier. Ça permet quand même de mieux voir dans le noir LOL <laughs> moi Eva. Surtout quand après... qu elle a pas suivi en plus. Elle a payé sa carte graphique le double de la mienne et la mienne est plus puissante. Ouais, c'est vrai, tu nous l'avais déjà dit ça. Non, mais c'est que le pire, c'est que la meuf, elle demande des conseils qu'elle suit pas. Surtout que c'est des conseils a quelqu'un qui s'y connaît quand même. en Enfin, elle n'a en pas tout suivi, quoi. Après, elle va se oui, mon, mon ordinateur, il est lent, il rame, patati, patata, bah t'as qu'à nous écouter, on doit faire de la merde. Parce que même quand elle a acheté son PC aussi, après, c'est plein comme quoi son, comme quoi son PC était lent et tout, qu'on a dû regarder. Hein. Pas, bah, après, euh, elle s'est aussi surtout beaucoup plaint de son clavier euh, qui, qui d'après elle, euh, aurait énormément de bugs, alors que j'ai exactement le même. Hein. Le Logitech j'ai deux, pas. le Logitech j'ai deux Je l'ai hein. euh, depuis quand Je l'ai depuis pff, ah, ça fait deux je crois que ça doit faire deux ans que je l'ai. J'ai aucun problème avec. Mais elle sait pas s'en servir, c'est pour ça qu'elle a des bugs. Et le pire, attends, attends, attends. Si, elle sait s'en servir pour parler avec des mecs alors qu'elle est mariée. Ouais, euh. S'il te plaît, c'est pas ce. Ne donne, <laughs> donne pas ce genre de détails, s'il te plaît. Oh, c'est sorti d'un seul coup, c'est pas grave. Mmh. Oh. Et euh, donc. Ah, euh, ah, bref. Voilà. Donc, oui, euh, comme, ah. je comme je l'expliquais. Et vous voyez, hein, il est seulement en train d'installer la première mise à jour. Hein. Voilà. Enfin, bref, et... ma langue non, mais... elle a fourchu. Non, mais pour ma langue, vous. Dire... elle a dit c'est fait pour moi. Hein. Ouais. Pour vous dire que mon clavier, il n'y a pas de problème, euh, je l'ai déjà, déjà malencontreusement renversé du liquide dessus. Ouais, il marche très bien. Impeccable, il n'y a pas le moindre problème. Donc pour te dire, le clavier... Euh, bon, voilà. Ouais, mais du coup, de toute façon, on va s'arrêter. Voilà. De toute façon, comme vous le voyez, la installation des mises à jour, je vais le laisser aller au bout. Voilà. De toute façon moi, je vais aller manger, donc je vais vous laisser aussi. Voilà. Euh... Une fois que les mises à jour seront terminées, j'éteindrai le PC. Et si ça vous intéresse, oui, je je... Max a dit que ça l'intéressait. Et n'y bah, y a plus qui l'a dit. Ouais. Mais euh... des autres. Je referai un, un petit live moins long, juste histoire de vous montrer le, juste histoire de vous montrer le patch des mises à jour. Et euh, oh... je vous montrerai aussi. Je pense quand même que entre temps, je vais installer tous les pilotes pour le PC, histoire d'eux quand même. Et puis après ben, je vous montrerai comment fonctionne le patch Et puis c'est tout on, on arrêtera sur ce PC Ah merde Voilà Donc du coup ben, on va mettre fin à ce On va mettre fin à ce live voilà. Oui par bah, contre euh, avant de mettre fin à ce live Il euh, y a personne qui nous a répondu S'ils étaient intéressés par le live du vendredi ou pas Si on doit les reprendre ou pas Ouais personne n'en a parlé mais bon Après euh, Je ne dis ça je ne dis rien après, on va peut-être pas trop euh, brusquer le... les choses. Après, on va voir, on va voir. Hein. On sait... Encore et encore, à voir si on refait ça dès vendredi là ou si on attend encore la semaine, la semaine pro... la semaine prochaine. Ben hein. bah non, mais moi vendredi là, j'ai rien. J'aurais bien voulu faire un live et vous raconter mes conneries, mmh. te faire, te, te pousser dans les trous, c'est marrant. Où suis Suédez En fait, Maeva, on a demandé. Qui intéresserait si moi et player reprendraient les lives de Mario le vendredi en fait. De Mario 3D World. Avec les niveaux impossibles, rappelez Voilà. ma Max aussi, à Max aussi apparemment. Parce qu'apparemment je crois que Yochette elle doit manquer sur la chaîne je crois. <laughs> Lol <laughs> Lol. Pourquoi tu dis celle, lol derrière celle qui, celle, celle qui se lance des fleurs et qui sait que le pot suit derrière en fait. Mmh. <laughs> ah bah on va prévoir ça alors si. Euh... Bon. Par contre, oui, euh, quand on fait les lives à deux, vu qu'on utilise sur le micro-perche qui n'est pas terrible, je sais, que, je sais que le son de nos voix est vraiment pas génial. Bah, si de... tu veux, je prendrai le micro-casque si tu veux. Ah, je ça doit te, te voir, hein. hein. au, dé au départ, on avait fait le micro-perche parce que t'avais dit que tu voulais pas avoir un casque sur la tête. Bah, après, je m'y habitue. Enfin, j'ai plus le choix, en enfin... fait. Mm. Puisque là, je suis en train de te parler avec le micro-casque sur la tête. Je donc... sais. Je sais. C'est que j'ai pas le choix. Je me suis habitué. Parce que le, le, le micro-perche micro que j'ai, euh, ça donne vraiment un son des voix vraiment pas génial, quoi. Oh <laughs> Mais bon, donc euh, écoutez... Euh... Donc t'as vu, il y a Max qui me réclame, t'as vu ouais, je, crois ouais, je, vais vois... finir par... je crois que je vais finir par te tromper avec Max, je crois. N'importe quoi. <laughs> oui, oui, dimanche, c'est prévu. C'est prévu, dimanche, la suite de Metroid Zero Mission. Max, il va me donner son adresse mail et son adresse maison, comme ça je pourrais y aller. <laughs> hein Je rigole. J'ai dit, Max, il va finir par me donner son adresse mail et son adresse personnelle. Comme ça, Comme ça, je pourrais le draguer et puis je pourrais aller le tromper avec. Non, mais ça va et pas. Il me réclame. <laughs> je rigole. <laughs> je rigole. C'est de la blague. Oh, C'est je... de la blague. Comme... Comme si. Quoique, un peu de changement, ça ferait pas de mal, mais bon. Eh. Et... <laughs> voilà. Changer de crèmerie un peu. <laughs> <putain. Je> <laughs> Donc, bah, ben, suite euh, des festivités. Euh... Moi, je dis, Yochette est une cougar. Euh, ça dépend que la joué la marque ça. Euh, ouais, j'allais dire parce que, que... que... <laughs> ça dépend que ça fait que moi, si le plus vieux que moi, que je suis pas une cougar, hein. et que ça serait lui la cougar, le, le détournement de mineurs. <laughs> Mais p... que je suis mineur. Mais quoi je mineur. <laughs> j'allais dire, t'es pas mineur, pitié. Donc la suite de ces activités. Bah, pendant que je faisais ce live, l'épisode, le... de Uncharted 2 est sorti. Donc n'hésitez pas à aller y jeter oui. un oeil. Hein. parce qu'il y a des choses de à y vous voir, vous il y a des choses à voir, <laughs> je vous le dis. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ouais. Euh, ensuite, bah, samedi, il y aura, euh... enfin, bah, bah, du coup, bah, du coup, bah du coup, si vendredi, mais non, c'est toi. J'ai dit les bugs, j'ai pas dit bah les bugs alors... déjà. Hein de toute façon, ils savent très bien que dans un jeu, il y a toujours des bugs, donc c'est pas nouveau. Hein. Mm. Surtout dans les, surtout dans les vidéos de chyploir, il y a toujours des bugs. Euh, le euh, oui donc. donc vendredi. Euh, vendredi bah du coup vendredi si vendredi soir si on fait Mario voilà euh, samedi vous aurez euh, l'épisode euh, de Mario d'ici voilà l'épisode l'épisode le au de pays, de, pays des sables que certain Xp3 a dit que je mettrais trois heures à le faire. Le pays des sables c'est celui que j'ai fait je l'ai pas vu complètement je crois pas. Mm. On verra après si c'est vraiment 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 trop long, on coupera la poire en deux. Hein. Lol. J'ai Player, le roi des bugs. Ouais. Et va toi, c'est la reine des bugs, mais pas de jeu, pas 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 les bugs des jeux. Voilà. Euh... oui oui donc euh... on voilà. a trouvé mis... on a trouvé Mister et Miss Bug en fait on bah voilà y... bah mais, les... si... <laughs> mais si jamais euh, si jamais c'est bizarre... des Miss France, on va faire des Miss bugs le pays des âmes trois heures mais il a fumé <laughs> il a fumé la moquette <laughs> les bugs de quoi je sais pas les bugs de PC par exemple des bugs de cartes graphiques aussi ou de cartes mères <laughs> Ou ton PC t'a lâché ouais mais bon ça 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 arrive hein. c'est c'est toujours chiant quand bah ça bref, arrive on a, bah, bref est... on est en train de on est en train de rallonger moi je vais ouais. c'est <laughs> toujours chiant sur le moment quand ça arrive mais au truc que genre débrancher mon ordi pour le remonter tout à l'heure qu'on ouais. a tournage à bref donc euh, bah vous savez la suite hein, euh, mais je vais y repenser hein, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure avec Maëva, on a parlé de on a parlé d'un planning mensuel qui me permettrait de ça, qui permet, qui vous permettrait de savoir plus à l'avance les lives qu y aura sur la chaîne on va essayer de faire planning modulable. donc je vais réfléchir à ces possibilités là euh, surtout que là en plus je suis en train de prévoir pour l'année prochaine pour l'année 2021 c'est-à-dire bah changer bah changer le là, là je veux changer plein de oh, choses les layouts live vont changer, euh, même les miniatures, même le, la, la façon dont je fais les miniatures de vidéos, je vais changer le système. Va falloir que je change le générique, enfin comme d'habitude, quoi. Le générique, je dirais que je change renouveau. tous les ans, vous avez l'habitude. Ouais, Est-ce que tu vas changer le générique au niveau de la musique Non, je Et ne que change que pas que la musique. La musique reste la même, c'est ce qu'on ce qu voit à l'image qui va euh, subir des modifs. Voilà. Oh, il faut le temps. Et en plus. Chose... Il va falloir que je fasse un truc. Je vais si tu, veux toucher, tu me dis, hein? Si ouais, tu veux ouais. que je fasse des miniatures ou quoi que ce soit, j'en sais mmh. rien. Je vais peut-être faire une vidéo euh, où je vais un petit peu en parler. Mais euh, en février 2021, il va se passer quelque chose. Pour les 10 ans de la chaîne. C'est ça. Suspense, suspense. Il... En février 2021, il y aura les 10 ans de la chaîne. Oui, Donc, voudrais... il y aura aussi mes 32 ans en février 2021. Je voudrais prévoir quelque chose. prévoir quelque chose? Hein? T'es fait quelque chose de rushé mes 32 ans Ouais mais ça c'est entre nous, on n'en parle pas en live, merci. <laughs> hein Quoi que vous pouvez vous cotiser, si vous, vous m'envoyez des cadeaux vous pouvez faire. Boule hein. <laughs> <laughs> Ça me dérange pas. Hein. Je prends tout ce qui passe. Ouais <laughs> mais moi aussi je prends ce qui passe mais bon. Moi je réclame pas aussi. Mais je rigole. À votre bon cœur <laughs> Moi, moi j'ai moi, bébé. <laughs> Dis-moi, tu veux qu'on fasse le secret projet pour les 10 ans euh... Bah écoute, mais voilà, je pense que de toute façon on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Hein mais je ferai sûrement une petite vidéo parce que je voudrais bien faire quelque chose. Euh... Je veux dire, voir si certains, euh, certains, des abonnés les plus fidèles ont envie de contribuer, tu vois à la chose. Voilà. Genre faire des best-of. Ouais, par exemple entre des autres. Games. Mais bon, parce qu'il on... y en a qui ont proposé, mais qu'on n'a toujours pas vu la couleur. <laughs> on c'est bizarre. On verra ça. Mmh. Bref, bon allez, moi, on arrête. A... Que... Ils se sont déchantés, il y a trop de bugs en fait à regarder, je crois. <rire> <rire> bon allez, on arrête là, parce que sinon, on n'arrêtera jamais. Et ouais, moi aussi, je suis, un petit, sûr, peu sur... moi, je je suis un petit peu surpris de pas me faire appeler pour euh, le repas, <laughs> Voilà, à cette heure-ci. Bah, moi, je mange des crêpes, des crêpes jambon-fromage, ça c'est rapide. J'espère que je vais pas manger ça. Bah, tu m'en dirais des nouvelles <laughs> moi je bon. dis à de toute façon je dis à tout à l'heure ouais donc allez bah du coup on vous laisse et puis bah, on vous dit à bah, bah, vendredi pour la prochaine fois qu'on va se voir euh, voilà ouais. donc euh, bah, merci à Maïva Kelsoul, Max euh... Théophile aussi ouais. qui êtes servi, okay. bah, voilà. est venu ouais. voilà donc ben bah, on vous ouais, laisse ouais, là il y puis... a Rock aussi ouais Rock y a aussi Kaisu, j'ai déjà dit, j'avais oublié Rock, désolé. Euh. T'es tout dit. Non, j'ai fait le tour. Bon. Il y avait Non, t'as oublié moi. Très marrant. La principale intéressée, tu l'oublies, mais bah, bravo. La prochaine fois, tu te démerdes, hein, je rigole. Euh, moi, re... <laughs> je, 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 euh, je viens de parler des gens du chat, hein. Là, t'étais pas au chat. Mais... Hein. Euh, si, j'étais au chat au début, j'ai dit coucou, alors, Oh, hein. ouais, <laughs> génial. Ah, bah oui. Ah, bah, j'y étais. Bon. <laughs> bah, allez. On vous laisse et puis ben, un, 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 petit, un petit merci un petit coucou à ceux qui ont regardé euh, l'ardif. Euh, ben mais va bon, plus tard ça ne sera pas possible parce qu'on a doit de tourner Mario donc euh... Ouais. Aujourd'hui ça va pas le Oui oui Max, je t'ai dit Max. Oui, t'étais écouté. Marsou, Maxou 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 Maxou. Voilà. Donne-moi ton adresse mail en même temps si Mais, tu mais arrête donc merci, quoi, euh, merci, à merci à tout le merci à tout le monde d'avoir suivi euh, tant bien que mal euh, ce live voilà et puis ben on se dit à une prochaine fois vendredi bah, vendredi, vendredi allez vendredi, 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 vendredi. salut tout le monde bye bye au revoir les bisous 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 <laughs>